Bonsoir et soyez les bienvenus pour Secret Story spécial Halloween. Quel comédien, c'est incroyable. Oui, oui, alors là, j'ai fait péter le costume de vampire. Bravo public qui est extrêmement bien déguisé ce soir. Ce week-end, vous le savez, en France, c'était le changement d'heure. Mais dans la maison pour Bastien, c'était la remise des pendules à l'heure. Julien ne digère toujours pas la trahison. Les anciens ne valident pas du tout le comportement du mannequin. Et c'est maintenant Mélanie qui commence à avoir de sérieux doutes sur sa sincérité. Et puis c'est le mystère du week-end. Bastien a-t-il, oui ou non, quitté l'aventure? On va tout vous dire dans un instant, sans oublier qu'un nouvel habitant va être mis en danger aujourd'hui et que nous allons assister au retour d'une pièce mythique. C'est une quotidienne exceptionnelle qu'on vous propose aujourd'hui. Mais juste avant, retour sur ce qui s'est passé vendredi. Vous me dites s'ils ont fait trop, hein? Non, c'est un peu excessif. Bref. Pardon. Vendredi, c'était la fin de la semaine, on le sait, oui. Mais c'était surtout la fin des haricots pour Bastien. C'était au tour de Vincent de lui dire tout ce qu'il pensait de lui. Et même si toutes les vérités sont bonnes à dire, elles ne sont pas toujours faciles à entendre. La preuve. Tu veux faire l'ancien avec moi, tu veux faire l'homme. Tu t'es un homme, toi? T'es pas un homme, t'as pas de face. Bien sûr, moi j'ai pas aucune peur de toi, gros. Quand tu dis qu'il y a que toi qui mérite de gagner cette aventure, tu mérites rien du tout, d'accord? Il arrive encore à lui mentir dans les yeux alors que je suis juste à côté et que moi j'ai passé toute la semaine avec. Et s'il faut que je pourrisse toute sa semaine, je pourrirai toute la semaine. Et vendredi, c'était donc la Saint-Bastien. Tout le monde lui a fait sa fête et la cerise sur le gâteau, c'est Mélanie qui a décidé elle aussi de lui expliquer sa façon de penser. Bon, au final, je suis vraiment pas la meuf qu'il te faut, vu que je me comporte jamais comme il faut. Laisse-moi finir, laisse-moi finir. Non, j'ai même pas envie qu'on finisse la discussion, là, je te jure, je suis hors de moi. Bon, bah, rassieds-toi. Ça me saoule, non, j'ai pas envie de me rasseoir. Ça me fatigue. Parce qu'il y a des trucs que je dois savoir. On s'entend pas, j'ai changé, bah, tu sais quoi, on termine la relation ici alors. Alors là, si même Mélanie commence à se rebeller, c'est que ça devient très très compliqué, qu'il n'y a plus d'espoir pour Bastien. Vous allez voir dans quelques instants que la situation devient très compliquée à gérer pour lui. Et c'est tellement le Bronx dans la maison que le mannequin pourrait décider de rentrer à New York. Plutôt que prévu, regardez ce qui vous attend. J'ai toujours été honnête avec toi. Je vais te laisser faire ton jeu, vraiment. Je vais te laisser faire ton jeu. Et si tu veux, ben, quand tu sors, t'as qu'à m'appeler. Pourquoi? Tu veux partir? Ouais, je vais partir. C'est ridicule. Vraiment, je te jure et je te le dis vraiment sincèrement pour toi. Mel. Tu vas passer pour un âge. T'es le premier à dire comme quoi t'es fier de toi, t'es fier de ta stratégie. Assume-la. T'es le premier à assumer, non? Alors Bastien va-t-il quitter l'aventure? Va-t-il rentrer aux Amériques? Va-t-il faire le cow-boy et rester face à ses adversaires? Si ça continue comme ça, Julien, Vincent et Bastien, ça va finir en le bon, la brute et le sortant. Et puisqu'on parle de Vincent, sachez qu'il continue son rapprochement avec Sarah. Mais où en sont-ils? Oui, parlons d'amour quand même, regardez. Je suis sur vibreur. Comment tu fais? Je suis intelligent, j'ai des qualités. Voilà. Je suis très content que Sarah m'ait fait rester parce que je sais que ça sert pas à rien. Elle a perdu Fanny. Elle peut compter sur moi, ça elle le sait, quoi qu'il arrive entre elle et moi. Alors à force de se tourner autour, vont-ils enfin passer à l'action nos camarades? Réponse dans un instant. Vous découvrirez également l'inauguration d'une pièce. Mais de quoi s'agit-il? Une bibliothèque? Non, non, même en ce jour d'Halloween, la voix n'est quand même pas aussi sadique. Hein. Regardez. Oui, allô? Ici la voix. Julien, merci de mettre le téléphone en mode haut-parleur. Le téléphone rouge vous apporte une mauvaise nouvelle. Merci de vous réunir face au SAS. Dans quelques instants, une pièce culte de Secret Story va réouvrir ses portes. Mais alors, quelle est donc cette pièce énigmatique? Si vous êtes un vrai fan de Secret Story, à mon avis, vous la connaissez par cœur, cette pièce, et vous devez être comme moi, très excité de son retour. On verra ça dans quelques instants. Mais juste avant qu'on découvre tout ça, je vous demande de faire un triomphe aux frères jumeaux d'Emilie, ambulancier, moniteur de ski marseillais, Loïc. Bonjour Loïc. Bonjour Tristan. Alors je vois que Loïc a fait des efforts aussi pour Halloween. Un peu, ouais. C'est naturel en fait. C'est censé être quoi ça comme personnage? Je sais pas. On sait pas. Oncle fétide de la famille Adams. Ah, c'est ça. Voilà. Ouais. Faites attention car je pourrais bien vous sucer le sang avant la fin de cette émission. Mais que le sang alors, hein? Oui, bah évidemment, oui, ça va. Ah bah bravo, tiens. Bon, allez. On va regarder la quotidienne ensemble et on parle ensuite de tout ce qui se passe dans la maison des secrets, Loïc. Hein. Allez, c'est parti pour Secret Story 10 épisode. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Show me your body. Check, show me.
surtout n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonsoir à tous et bienvenue dans Secret Story 10 spécial Halloween ce soir. Ah là là. Ah bah là on l'a pas loupé le maquillage là. Magnifique public, magnifiquement maquillé également. Regardez comme ils sont laids. Eh bien vous allez voir en tout cas aujourd'hui que malgré eux, les habitants aussi se sont mis dans le thème Halloween. Ils avancent en meute tels des loups-garous. Ah ouh eh, pardon. Et seul l'un d'entre eux rôde comme un loup solitaire, Sébastien. Depuis qu'il a réintégré la maison, c'est la soupe à la grimace. Julien lui en veut, Mélanie lui en veut, Anaïs lui en veut. Bref, tout le monde lui en veut. Tout le monde lui tourne le dos, tout le monde, sauf Darko. Un coup dur pour le grand stratège. Il ne voit pas ce qu'il a fait de mal. Bon, mentir à sa chérie et trahir son meilleur pote, ça devrait quand même le mettre sur la voie. Mais non, la seule voie sur laquelle il est actuellement est celle de la sortie. Je ne parle pas de sa nomination d'office. Non, Bastien veut partir de lui-même. Alors va-t-il disparaître de l'aventure, tel un fantôme ? Mystère ! Cette semaine, La Voix a déclaré la guerre des sexes. Les habitants dorment par équipe et seuls leur capitaine, les anciens, dorment à part dans l'hôtel. Le téléphone rouge a aussi fait son grand retour dans l'aventure depuis le Prime. Ici La Voix. Mélanie, mets le téléphone sur haut-parleur. Le téléphone rouge vous apporte une bonne nouvelle. Ceux d'entre vous qui feront un bisou à Bastien remporteront 500 euros directement prélevé dans sa cagnotte. C'est tout pour le moment. Ah, dégueulasse. Je vais aller me brosser les dents tout de suite. Franchement, La Voix n'a pas été cool. Parce que... Bon, mon premier réveil après la grosse trahison de Bastien, bah, il faut que je lui fasse un bisou. D'un certain côté, je suis content parce que je lui prends de l'argent et ça va sur ma cagnotte. Mais... pas la foi, quoi, quand même. J'aurais pas fait, moi. Ouais, même pour 500 euros. Après, c'est prélevé sur sa cagnotte à lui, quoi. Oui, mais bon. Rien que de lui faire un bisou, tu vois. J'aurais pu m'en passer. Bastien. Le traître. Dans la maison, Bastien n'a pas le vent en poupe. Mais il reste une habitante qui continue à le soutenir. Ça va ? Ça va, t'as bien dormi ? Hein ? Qu'est-ce que tu fais ? Reste ici. Lève-toi ! Non, non, putain, je me suis dit pourquoi je me lèverais ? Je peux me rester un peu, mais ça va, tranquille. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Comment ça continue ? Il n'y a rien qui continue, je suis pas fâchée contre toi. Franchement, je suis pas fâchée contre toi, je te jure. T'as ta vision des choses, moi j'ai la mienne, mais je suis pas fâchée contre toi. Je sais que tu vas fâcher contre toi. Bah alors voilà, tout va bien, je te jure. Il est lourd, hein ? Il est lourd, mon Dieu. Je t'ai attendu, moi, cette nuit, je suis venu ici. Je t'ai dit clairement que j'allais dormir à ma place cette semaine, quoi. Je t'ai dit, non ? Toute la semaine. S'il te plaît, on va pas se prendre la tête pour des trucs ridicules comme ça. Bastien me prend la tête de bon matin. Au final, je comprends pas trop parce que, t'es partie une semaine, j'ai vécu une semaine hyper dure et t'en es notamment la cause. Et là, tout doit être pareil parce que t'es revenue. Non, moi je suis pas d'accord. J'ai du mal à digérer la pilule et en plus de ça, cette semaine, je dois dormir avec mes coéquipières. Donc je respecte les règles et je dors avec elles. Voilà, que ça lui plaise ou non malheureusement. Oh, mon Dieu, j'ai un mec comme ça mais je le tue. Oh, c'est un lourd. Et puis elle a fait tout ce qu'il lui dit. Fais-moi un câlin. C'est quoi ? Lève-toi, comme ça, après, on peut aller à un moment faire la sieste et il n'y a personne qui nous dira rien. Ok ? T'as vraiment... T'es devenue complètement effrayée de ce que les gens... Non, c'est juste que j'ai passé que des semaines de merde et que maintenant que j'ai plus envie de passer des semaines de merde, j'ai envie de faire comme ça. Je trouve ça... Tu sais, il reste deux sacs. Tu sais quoi, au final, on va vraiment se prendre la tête toi. Il reste deux sacs, mais je t'engueule pas. Mais je trouve que c'est bête, tu devrais pas être effrayée comme ça. Moi, j'ai pas envie de revivre le calvaire que j'ai vécu alors qu'au final, cette semaine, j'ai réussi à... Moi, je suis là. Mais y a pas que toi ! Ok, t'es là, très bien. Mais regarde, t'étais là, je vais quand même calvaire. Oublie non, pas ça. J'étais pas là, j'étais à côté. Ouais, mais même. Non, parce que cette semaine, je me suis bien amusée. J'étais à côté, je suis désolée que t'as vécu le calvaire, ok. Ouais, ok.
je te jure, oh là là, ça me saoule de me prendre la tête comme ça. Mais on se prend la tête. Je te le dis juste, fais-moi attention à ça. Ok. Oh là là, il se prend pour le roi de la maison, lui. Le Bastien, là. T'as bien dormi ? Avec sa grande tête, là, de merlu, là. Je me réveille, j'entends encore une fois la voix de Bastien. Je crois que j'ai un trop plein de lui, je crois que j'ai des relents, limite, en l'écoutant. En plus, toujours la même chose, en se plaçant comme une victime. Bah, au bout d'un moment, mec, je pense que ta meuf, elle a pas envie de rester avec un traître ou un lâche. Donc voilà, je sais pas ce qu'elle lui trouve, à part si ce n'est que c'est un beau gosse. Mais bon, être beau, ça suffit pas, des fois. Hein. La tête qu'elle a, Mélanie. Ça me fait de la peine. La solitude. Je te jure. Regarde, je comprends pas. Pourquoi elle fait la tête comme ça? Moi, je capte très bien, moi. Ah ouais? Pourquoi alors? Parce qu'elle fait la gueule parce qu'elle a envie de montrer que son mec a pris des décisions qu'elle acceptait pas et à cause de donc ça. Donc ça va pas durer, tu penses? Bah non, mais bon. Ouais, ça me... Mais là, je capte pas, ça m'énerve. Ça me fatigue. Mec, je la trouve un peu dure avec Bastien. Parfois, on dirait vraiment une enfant dans ses comportements, toujours à faire la démonstration, et franchement, je trouve qu'elle pourrait le soutenir un peu plus. Je te jure que la raison pour laquelle j'ai tenu la semaine dernière, c'était pour revenir là et pour discuter avec elle, et pour lui dire ce que j'avais vu, pour les machins. C'est elle qui m'a fait tenir. T'es amoureux ou quoi? Hein? Honnêtement, au moment où je suis parti d'ici, genre, j'étais très très attaché à elle. Genre, je me disais, je suis peut-être en train de, tu vois. Honnêtement, là, maintenant, quand je vois ça et quand je vois ce qui s'est passé, je me dis, putain, genre, moi, je peux pas comprendre ça. Non, mais il y a un culot. Non, mais dis que tu l'aimes pas depuis le début et que t'en as rien à foutre, ça ira plus vite, hein, au lieu d'inventer des explications. Encore une fois. Genre, j'avais l'impression que quand j'étais pas là, elle kiffait trop. Et maintenant que je suis revenu, elle fait la gueule. Mais parce normal qu'elle est mieux sans toi, trou du que t'es. Mais grave. Ce qui me fait un peu chier, c'est que les gens, tu vois, pour une décision stratégique, d'un jour à l'autre, pensent que je suis vraiment un gars méchant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je suis content que tu me crois, toi. Ah, regarde ce qu'il lui dit. Ah ouais. Je suis content que tu me crois, toi. Bon, il s'est fait embobiner par Batson. Darko, je vais le prendre tout de suite dès que j'arrive. Je lui dis, t'es un... Je pense qu'il y a de grandes chances que pour cette action, je sorte cette semaine. Mais je m'en fous, parce que, tu vois, genre, j'en suis fier. J'ai l'impression que j'ai réussi. J'ai gamble un peu, genre, tu vois, j'ai lancé les dés un petit peu. Mais ça a marché. Oh là là. Mais tu as beaucoup de graisse dans le cerveau, je trouve, parce que ouais. Le melon que vous avez, ouais, il est comme à ça. Ouais. On a envie de traverser l'écran et de se dire, mais arrête, stop. De lui dire arrête, quoi, parce que c'est franchement, c'est insupportable. Le mec, il sait tout, quoi. Mais elle fait trop de la... Enfin, elle fait de la peine, parce que... Elle, ça se voit qu'elle est attachée à lui et j'ai l'impression qu'il veut qu'elle fasse comme il veut lui. Faut qu'on soit là pour elle, faut qu'on lui parle, faut pas... Faut qu'on l'aide. Ouais, faut qu'on l'aide. Voilà. J'espère qu'elle va ouvrir les yeux. Ah. Coucou. Hello. Salut. Bah, elle n'a jamais été jusqu'à nous atterrir. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Ça va? Vous avez bien dormi? Ouais, vous? Ouais. Tu vas bien? Ça va? Ça va, tout ça. Bon, toi, c'est bien ce matin quand tu as un peu rebellé à Bastien en lui disant que. Ah ouais. J'ai l'impression vraiment de me faire manipuler, quoi. Non, donc, de toute façon, écoute, l'entends par la toi. Hier soir, vous avez vu où il me demande de plus délirer. Il veut pas que je délire avec Vincent. Et je lui dis, je fais ce que je veux. Elle, moi. Ouais. Et j'ai dit, moi, je parle avec qui je veux et j'apprécie qui je veux. Et là, depuis ce matin, ben, vous nous avez vu, on n'est pas si proches que ça. Mais non, là, je disais. Par rapport à moi. Ouais, il a dit. Moi, quand je suis arrivé dans l'hôtel, j'étais attaché à elle et tout. Maintenant, je reviens. À moi. Ouais. Mmh. Maintenant, je reviens ici. Elle me calcule pas et tout. J'avais plus rien à foutre. Bastien, Très bien, on voit tout. Au final, il n'y a plus rien qui m'étonne. Tu sais quoi? Je te le dis. Ils sont fous de quoi? Ouais. Ouais. Bah, je suis en train de bien comprendre. Et en fait, je suis détestée par tout le monde. On a vu. Voilà, tout ça. Voilà. Lui, il te tire vers le bas. Moi, pour ma part, te voir comme ça, à un moment donné, je me dis non. C'est pas possible. T'es malheureuse. T'es malheureuse. Attends, non, je te regarde. Sur ton visage. De ouf. Une des meilleures semaines que j'ai passées. Parce que j'étais moi-même. T'étais toute seule sur la table comme ça, quand on regardait dans le vide, on disait mais putain. Tu m'as fait de la peine. Je dis pas qu'il veut te tirer que vers le bas, attention. Parce que s'il peut te défendre, il le fera. Très souvent défendu. Voilà, tu vois, je veux pas non plus. Mais il fait ce qu'il veut de toi.
Ils sont en train de me pourrir. J'ai l'impression qu'ils sont en train d'essayer de l'influencer, de casser du sucre sur mon dos, de... Voilà, de nous nuire. Et j'ai envie de leur dire de s'occuper de leurs affaires et puis de nous laisser tranquilles un petit peu. Mais je suis content que eux te donnent leur avis, ils viennent d'arriver. Donc c'est important que eux le font. Mais on l'a vu. Que ça soit bien ou mal, comme vous disiez, je veux juste être sincère. Donc sois indépendante, vis ton truc à toi. Il reste pas longtemps. Donc maintenant, tu penses à toi. C'est toi qui mène la danse. J'aimerais que tu vives ton expérience comme tu l'as vécu la semaine dernière. Ouais. Tu comprends que tu sois toi-même. Et libre. Et je lui ai dit, je t'ai jamais vu aussi belle que la semaine dernière. Autant de gens qui te disent le même truc. Remets-toi en question. Je sais. Je sais plus trop où j'en suis. Au final. Je remets tout en question et je sais plus trop où on en est, Bastien et moi. Je sais plus ce que j'ai envie de faire avec lui. Je sais plus s'il est sincère. Donc voilà, j'ai un ras-le-bol général de Bastien et moi. Mel. Je suis en train de comprendre, en fait, tout ce qui se passe. Et ça me plaît pas trop. Je me suis attaché à toi, j'ai des sentiments pour toi. Maintenant, j'ai l'impression qu'on est en train de me faire passer pour le grand méchant. Et du coup, j'ai pas envie de te regarder changer d'avis à mon sujet, j'ai pas envie de te regarder les écouter là-dessus, j'ai pas envie de te regarder te faire convaincre que je te veux du mal ou quoi que ce soit. Je sais pas, la discussion qu'on a hier dans la chambre, ça me plaît pas, quoi. Ma meuf, elle peut pas être comme ci, ma meuf, elle peut pas être comme ça. Malheureusement, désolée de te le dire, mais la semaine passée, j'étais vraiment moi et je me suis vraiment amusée pour une fois, quoi. Mm-hmm. Et je suis vraiment comme ça. Ok, donc avec moi, en fait, je t'empêche de t'amuser, c'est ça? T'as l'impression que ça? Non, parce que je me suis bien amusée avec toi aussi. Mm-hmm. Ouais, mais genre, je reviens et là, je comprends pas que tu fasses la gueule. Je fais pas la gueule. Tu vois, c'est ce que je suis en train. Je fais pas la gueule, je me pose des millions de questions, mais je fais pas la gueule. Mm-hmm. Moi, je doute pas de toi. Et je doute pas de ce que j'ai pour toi. Voilà. Maintenant, si toi, tu doutes, si tu penses que c'est ça que tu dois faire, eh ben, à la limite, fais-le. Genre, au final, ça t'aidera à avoir ce que tu veux. Au final, je suis honnête avec toi. Ouais. Donc, on en finit? J'en sais rien, franchement. Bah, dis-le-moi. J'en sais rien. Le fait qu'il me laisse pas le temps de digérer tout ça, le fait qu'il soit pas si compréhensif que ça à mon égard, fait que nous éloigner. Et c'est ce qui me dérange énormément, en fait, parce que moi, je lui ai jamais fait de mal durant cette aventure et lui m'a blessée à de nombreuses reprises et j'ai peur que là, ce soit la goutte d'eau qui fasse déborder le vase. Pourquoi? On a fini notre conversation, quand même, non? Bon, on l'a fini ici, alors. C'est trop, là, tout ce que t'es en train de me dire. Quoi? Attends, laisse tomber. T'as toujours un truc à me reprocher. Mais non. Je te dis, genre, si tu doutes comme ça de moi, genre, si t'as des doutes sur ma sincérité envers toi et sur tout, eh ben, à ce moment-là... J'en ai, je t'ai dit, je remets tout en cause. Bon, bah, tu veux arrêter? On arrête, si tu veux. Bah, d'accord, alors. Ce que je redoutais est arrivé. Les anciens ont vraiment réussi à lui monter la tête contre moi. C'est vraiment hyper dur. Je me retrouve tout seul contre toute la maison. Et il n'y a qu'une chose qui pourrait me sauver, c'est le soutien de ma copine et elle ne me l'apporte pas. Je pense que c'est une sage décision pour le moment. Au moins, prendre du recul, ça fait du bien quand même. Ouais, mais moi, ça me fait pas de bien. Moi, ça me fait pas de bien. Oui, mais tu vas voir, justement, si ça va t'en faire. Moi, je vois que c'est vraiment, vraiment un bon joueur et personne ne le voit ici, et même pas sa copine. On est dans un jeu. Et Bastien, il a voulu jouer à fond. Maintenant, tout le monde lui a tourné le dos. Et en plus, à ce moment-là, Mel qui le largue, quoi. Enfin, tomber dans des histoires de cœur comme ça qui au final le mène au fond du gouffre, il est pas bien, il est vraiment pas bien maintenant. Pour moi, c'est la fin. Moi, je me suis vraiment attaché à Mélanie et
toute cette succession de missions, de trucs faits par le jeu, l'a amené à avoir des doutes sur moi, sur ma sincérité, sur tout ça. Et aujourd'hui, bah, je pense que c'est fini. Du coup, moi, je me vois pas de continuer comme ça. En plus de ça, j'ai l'impression que je la rends malheureuse ici, en étant ici. Et ça me pèse beaucoup. Et du coup, j'estime qu'il est temps pour moi de partir. Tu veux pas venir avec nous tous? Non. Franchement, il y a un truc qui est clair. T'assumes tes choix, t'assumes ce que t'as fait. Alors pourquoi tu restes là? Ah non, c'est par rapport à toi que je reste là. Pourquoi? Ben parce que je vois que t'en as rien à faire et que c'est fini pour toi. Alors ça me fait de la peine. Pour moi, t'as pris beaucoup plus de place dans mon cœur que ce jeu. Donc voilà, je vois que c'est pas réciproque. Et j'ai toujours été honnête avec toi. Je vais te laisser faire ton jeu, vraiment. Je vais te laisser faire ton jeu. Et si tu veux, ben, quand tu sors, t'as qu'à m'appeler. Pourquoi? Tu veux partir? Ouais, je vais partir. C'est ridicule. Vraiment, je te jure et je te le dis vraiment sincèrement pour toi. Mel. Tu vas passer pour un p***n là. J'étais le premier à dire comme quoi t'es fier de toi, t'es fier de ta stratégie. Assume-la. T'es le premier à assumer, non? Mais ça n'a pas à voir avec ma stratégie, ça a à voir avec toi, le choix que je suis en train de faire. Ok? Encore pire. Donc en gros, si tu pars, c'est moi qui me sens coupable. Absolument pas. Absolument bah si, pas. C'est ça. C'est moi qui bah, me sens coupable. Je te dis mon ressenti. Si tu t'en vas, je me sens coupable. C'est moi qui me sens coupable et j'arrête pour pas te faire du mal, etc. Genre, ouais, j'arrête. Avec Mélanie, je suis quand même arrivé à un point où... voilà, cette aventure, c'est nous deux. C'est pas l'un et l'autre séparés. Et sans elle, bah, j'aurais plus le goût de me remettre dans le jeu. Donc, si c'est comme ça, autant partir. Sans elle, ça sert plus à rien. S'il te plaît, arrête. Mais je comprends pourquoi tu t'énerves comme ça. Parce que ça me rend ouf que de savoir que t'as envie de partir comme ça, comme un lâche. Ça me pose problème. Ça me pose problème. Tu sais très bien que je suis entière, que j'arrive pas à faire semblant. Ouais, alors à moins que tu préfères que je fasse l'hypocrite, je fais l'hypocrite, mais ça me va pas et j'ai pas envie d'être hypocrite. Okay. Et pas avec toi. Donc voilà, je suis entière, je te dis ce que je pense. Et pour moi, si là tu pars, t'es un lâche. Apparemment, elle veut partir et elle lui dit ouais, t'es un lâche si tu pars. C'est un mytho. Oui, c'est un mytho. Merci. Et elle y croit. Non, mais s'il assumait tous ses choix, il voudrait pas partir. Ouais, moi, ça m'arrangerait qu'il parte. Franchement, Bastien qui veut partir, pff, n'importe quoi. Pour moi, c'est que du cinéma. Voilà, il essaye de faire son Calimero. C'est un mauvais joueur. T'as pris une mauvaise décision. Maintenant, faut l'assumer. Donc, fais pas ton pêcheur, quoi. Soit tu t'en vas maintenant, soit tu arrêtes de faire ton cinéma de suite. Je pensais revenir ici et je me disais, j'aurais une personne qui me soutiendra aveuglément. Je peux pas te soutenir dans certains choix que tu as faits, alors que je les cautionne pas. Si, tu dois me soutenir de toute façon. Bah alors ne pars pas mais comme un lâche, sinon t'auras fait tout ça et tout ce mal pour rien du tout. Pourquoi tu me gueules dessus? C'est pas parce comme que ça me met parle. Hors de moi. Pourquoi tu c'est gueules sérieux. Comme ça? Franchement là, ça me saoule. Okay. Bah écoute, voilà. Ça me saoule. Allez. T'as arrêté avec Bastien? Ouais. Pourquoi? Parce que... Parce qu'il y a des choses que je cautionne pas, parce que voilà, j'ai des choses à lui reprocher, parce que... Mais je sais pas, tu te réveilles quand il y a des gens qui te disent ça. Et toi, ton avis à toi? Moi, mon avis à moi, c'est que tout peut être encore possible, mais là, de vouloir partir comme un lâche, ça me convient pas. Ça me convient pas. Moi, je trouve qu'elle est influençable, parce que bah, maintenant que tout le monde critique Bastien, bah, elle lui tourne le dos, donc je trouve ça assez facile. Enfin, c'est un prétexte pour moi qu'elle a juste trouvé, bah tiens, tout le monde lui fait la tête, bah moi aussi, je vais pas être d'accord avec lui. C'est dommage. En tout cas, sache que même si t'as tout le monde contre toi, moi je serai là. Mais pas moi. Pourquoi pas toi? Je serai plus là. Et, et c'est décidé. Vraiment, Darko, je te le dis. Je suis désolé parce que. Ça sert à quoi parce que ça me casse les couilles de te laisser ici. Mais. Ça te sert à quoi de faire ça?
j'hallucine quoi. Le mec me trahit et derrière ça il se dit bah, je suis nominé, j'ai peut-être pas envie d'aller jusqu'au SAS, donc je vais partir de moi-même. Il croit que c'est la fête ici ou quoi lui? Je crois qu'il décide quand il veut, tiens je vais mettre Julien en galère, je vais faire partir Fanny, et puis derrière, oh bah je vais sortir moi aussi parce que j'ai autre chose à faire. Sérieux, non mais franchement j'hallucine. Bastien a l'air bien décidé à quitter l'aventure et ça, ça fait froid dans le dos et c'est un vampire qui vous le dit, mesdames et messieurs. Ça n'est pas la première fois que Bastien en parle, hein, de partir. Alors, va-t-il aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il va laisser Mélanie? Il va quitter l'aventure? Un choix difficile pour lui. Va-t-il privilégier le mou, le jeu, l'amour, la stratégie, la réponse et bien plus? C'est dans la suite de Secret Story. Restez bien avec nous ou je vous mords le cou. Dans quelques instants, une pièce culte de Secret Story va réouvrir ses portes. Vous l'avez compris, il s'agit de la supérette. Anaïs, 3, 2, 1, c'est parti. Attends, vas-y, maintenant. Vas-y, maintenant, vas-y, allez, vas-y, allez. J'ai peur un petit peu. On est de retour dans Secret Story spécial Halloween. Regardez ce public magnifique, déguisé. Enfin, je crois qu'ils sont pas comme ça habituellement, il me semble. N'hésitez pas en tout cas à faire un petit tour si vous le souhaitez pour venir nous voir également. Il suffit de passer un petit coup de fil. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de vous déguiser en Halloween tous les jours. Hein. Des citrouilles, des toiles d'araignée, des vampires et même des revenants pour fêter les 10 ans de Secret Story. Anaïs de la saison 7 et Thomas de la saison 4 sont de retour pour hanter la maison. Et ça n'est pas tout. Une pièce mythique va ouvrir ses portes et un autre grand classique est en train de se jouer. Un habitant veut partir. Bastien désire quitter l'aventure. Il vit difficilement sa mise à l'écart. Alors va-t-il aller au bout de cette décision ou va-t-il une nouvelle fois se laisser convaincre de rester? Espérons que ce ne soit pas complètement mort. Ce serait un comble un jour d'Halloween, franchement. En tout cas, son indécision et sa morosité mettent une ambiance glaciale dans la maison, à moins que ce soit à cause de la soirée ski et haute montagne. Faut voir. Raclette, Halloween, regardez. Ce n'est pas une surprise, l'hiver approche. Et la voix a prévu une soirée de saison. Ambiance haute montagne avec une véritable raclette partie. Trop bien. Ah mais faut prendre les couvercles et les patates du, c'est les hommes. Oh bonsoir. Trop bien, trop stylé. Mais un habitant ne semble pas avoir le cœur à la fête. Depuis son retour dans la maison, Bastien se retrouve à l'écart et ne participe plus vraiment au jeu des habitants. Je vais commencer. Julien. Action, c'est vérité. Bien. Alors action. Fais un bisou sur l'orteil de Naïs. Ça va, elle a pas d'être dégueulasse. On veut le voir. Tu sais, il est tout rose, tout humide et tout là. Ouais. Mais qu'est-ce que vas-y, vérité. Qu'est-ce que Sarah aurait à changer? Qu'est-ce qui fait que ça ne l'a pas fait à chaque fois que vous êtes vu? Qu'est-ce que ça n'a pas continué? Je pense que le premier truc, c'est que c'est un peu moi qui a fait que ça n'a pas marché. Faut le dire la vérité. J'ai beaucoup fui mes responsabilités, on va dire ça comme ça. De deux, après, elle a un côté un peu trop comme moi, qui est de, elle aime plaire, elle aime être sexy. Elle est comme ça et je veux rien changer. Si je dois me mettre avec et je la prendrai comme elle est. Mais c'est vrai que j'aimerais juste que si elle est un petit peu plus sage. Ça, j'aimerais bien, ouais. Ah, oh, bah la Vincent et la Sarah, moi j'en peux plus. Hein. J'essaye de faire tout ce que je peux pour qu'ils fassent enfin un bisou et il se passe jamais rien. Moi, je m'en mêle pas trop parce que je suis censée ne pas aimer Sarah. Oui. Donc, genre, c'est pas mes histoires, je m'en fous. Je pense que tout le monde sait ici que j'ai du mal à accrocher avec Sarah, que je l'apprécie pas trop. Si, imaginons que demain, tu dois te mettre en couple avec elle et que tu me demandes mon avis, est-ce que ça va jouer sur ta décision? Je vais te répondre. Ça aurait été une fille que je ne connais pas. Ça aurait totalement joué sur ma décision. Maintenant, demain, après-demain, même dans une semaine, tu pourras détester Sarah. Ça me ferait chier, certes. Mais Sarah, c'est Sarah et c'est ma Sarah et ça changera jamais. Je suis contente de ta réponse. Merci. Ça me touche. Je le crois plus quand il s'exprime devant les gens parce que c'est plus dur. Et bah là, il dit la vérité, je pense. Donc, bah, ça me fait plaisir. Je suis contente de mes réponses. Oui, ça m'a fait grand plaisir. Vraiment. C'est vrai. Parce que la vie d'Anaïs compte beaucoup pour moi. Tu le sais. Je sais. Quoi?
rien. T'auras pas de bisous, en fait, je te connais. T'es grave. Je suis très content que Sarah m'ait fait rester parce que je sais que ça sert pas à rien. Je pense qu'elle a besoin de câlins, elle a besoin d'affection, elle a besoin de tendresse. J'essaie de lui en apporter tant bien que mal. Et j'ai l'impression que ça lui fait du bien. La plupart des gens m'en veulent. Donc c'est très difficile de rester autour de cette table, sachant que les regards me fuient, que personne n'a envie que je sois là. Et du coup, je peux pas rester. Mais viens. Franchement, j'aimerais bien passer cette soirée avec vous et tout, mais je suis trop mal, genre, je suis vraiment trop mal. Bon, je respecte ton choix, mais si tu veux venir, d'accord ? Ouais, ça va. Même si je porte pas Bastien dans mon cœur, ça reste un bon joueur. Et je trouve ça assez dommage qu'il veuille quitter l'aventure sur un coup de tête par rapport à Mélanie. Ok, ils sont en couple, ok, ils sont attachés l'un à l'autre. Mais dans ce jeu, t'arrives tout seul et t'avances tout seul. Allez, s'il te plaît, arrête de t'être triste. S'il te plaît, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Non, allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu veux pas me faire un câlin ? Hein ? Viens. Écoute, je t'ai tout expliqué tout à l'heure. Oui, je respecterai ton choix, peu importe ce qu'il est. Je cautionne pas ton choix, que je sois pas d'accord, parce que j'ai pas envie que tu partes et j'ai pas envie que tu fasses. Mais si ton bonheur c'est de partir, je te laisse partir. J'en peux plus. Essaie de dormir. Franchement, je te jure que ça t'aidera. Allez. Quand il s'isole, je me sens coupable, je me sens vraiment mal parce que je me dis qu'en plus de ça, c'est ma faute. Je veux absolument pas qu'il parte, voilà. J'ai encore besoin de passer du temps avec lui pour qu'on puisse réparer les pots cassés, que ça redevienne comme avant lui et moi. Et moi ? Enfin, cette j'ai semaine. L'impression de te faire du mal en étant ici. Tu me fais du mal si tu t'en vas. Tu te rends compte ici. Quand même que la personne de qui tu parles, c'est moi, que je suis quand même en face de toi et que mieux qui à part moi peut te répondre, personne. Okay. Même pas toi et ton cerveau. Même si je suis perdu, ça fait du bien que Mel se préoccupe un peu de moi et qu'elle vienne essayer de me consoler, de me redonner un peu l'envie de rester. S'il te plaît. Franchement, le plus beau cadeau que tu puisses me faire demain matin, c'est de me dire que tu restes. Je te jure que c'est sincère. C'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire. Pour une fois, j'aimerais avoir un cadeau. Ok ? La soirée touche à sa fin. Et alors que les anciens regagnent l'hôtel, Mélanie et Bastien se couchent chacun de leur côté. Mais la nuit ne parvient pas à séparer les amoureux. Au final, pour moi, je pars du principe que si t'es avec quelqu'un, c'est pour rendre la personne heureuse. Et tu sais que tu vas me faire souffrir, que je vais être malheureuse parce que tu vas arrêter. Nouvelle journée, nouvelle résolution pour Bastien, qui a finalement décidé de repartir à zéro. Mélanie, elle a besoin de moi ici. Elle me l'a fait comprendre, elle me l'a bien dit. Et du coup, je vais rester pour elle. Mais à partir de ce moment-là, c'est un nouveau Bastien en mode guerrier. Ah bah, il nous a fait une Britney. Il s'est rasé la tête, il nous a fait une Britney, j'ai pas compris. Il t'a volé la vedette. Le matin, hein. J'ai dit. Il t'a volé la vedette. Il nous a volé la vedette, voilà. Leave Bastien alone. Voilà, c'est plus Leave Britney alone, c'est Leave Bastien alone maintenant. La coupe de cheveux de Bastien n'est pas la seule nouveauté dans la maison. La cuisine, elle aussi, a subi un changement radical. Il n'y a plus de lait, il n'y a plus rien. Même le congèle et tout. Moi.
Mais c'est pas possible. Mars. Le problème, c'est que là, faut vraiment que je mange. Mais là, je vais fondre. Je suis déjà en train de fondre. Et c'est un vrai problème pour moi. Je sens mon corps se décomposer. Je ne veux que des œufs. Donc là, ce qui se passe, c'est très très grave. Hello. Hello. Salut. On vous a fait des petits... Un petit déjeuner. Un petit déjeuner. Ça va, vous êtes trop chou. Merci pour ce petit déjeuner. Marco, il va faire la gueule. Pourquoi? Parce qu'il mange rien de tout ça. Il mange quoi, lui? Ah, des œufs. Ouais. T'as faim, tu dis que t'as faim tout à l'heure. Ouais. Tu meurs de faim. J'ai faim, mais sauf que moi, tu rentres ça, tu fais un petit effort, tu vas pas perdre une tablette, un abdo si tu manges ça avec du beurre. En fait, c'est juste ma façon de vivre. Ok, voilà. Je vais me calmer parce que la journée va bien commencer. Ouais. Pile dans ton équipe. Oui, allô. Ici la voix, merci de vous réunir face au SAS. Comme vous l'avez remarqué ce matin, toutes vos courses ont disparu de vos placards. Dans quelques instants, une pièce culte de Secret Story va réouvrir ses portes. Vous l'avez compris, il s'agit de la supérette. Durant toute la semaine, chaque équipe fera ses propres courses. Anaïs est désignée par les filles et les deux capitaines pour faire les courses. Elle aura 1 minute 30 pour remplir son caddie, sans le déplacer, avant de ressortir de la supérette. Anaïs, 3, 2, 1, c'est parti. Attends, vas-y, maintenant, vas-y, maintenant, allez. Allez. Voilà. Le caddie rose. Voilà. Mais pas, tu peux pas le déplacer. Mets tout ce que tu peux dedans. Voilà, du café, les œufs. Voilà, très bien. Du jus de pomme, non? Donc déjà, la base, des oignons. Des bananes, prends des bananes. Attends, c'est que ça dépasse pas. Oh ouais. Mets ça, ouais. Oh ouais, mais... Allez, voilà, des fruits, qu'est-ce que vous voulez? Va au fond, là-bas, regarde, ils surgelent les pizzas. Mais ça va pas rentrer, malade. Attention, le rideau commence à descendre. Place à l'équipe des garçons. Anaïs. J'ai choisi Darko. Darko, décision validée. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, regarde, voilà, reviens. Des pâtes, elles sont là. Les pâtes, c'est où? Là, regarde. Prends deux paquets de pâtes. 15 secondes. Vite, il faut que je sorte avec le chariot. Viens. C'est bon. Vous voulez autre chose? Prends des bananes. Là. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ça va? À tous les habitants, vous avez maintenant vos provisions jusqu'à la prochaine ouverture de la supérette. Mais vous le savez, la voix est joueuse et a décidé qu'afin de mieux connaître vos adversaires lors de cette guerre des sexes, vous allez échanger vos chariots de course. Les filles, merci de récupérer le chariot des garçons et inversement. On échange les caddies, franchement, ça c'est la meilleure parce qu'ils ont toutes les protéines et ils ont énormément de bouffe et que nous on a pratiquement rien à part des bonbons ou des trucs comme ça que eux ne mangent pas. Franchement, ça me fait bien rigoler. Merci Darko. On en a de la dinde, des trucs ou pas? Non. Oh là là, ce qui est hardcore, c'est qu'on a vraiment pas de viande. On parle les deux. Oh, mais on a plein de dinde, on a des frites. Ouais. Mais nous on a tous les bonbons. Qu'est-ce qu'elle a pris? N'importe quoi, cette fille-là. Tu mets un enfant dans une supérette, tu feras la même chose. J'ai fait les courses parfaites. Tout était parfait. Des œufs, de la viande. Et je me retrouve avec des bonbons et des gâteaux et n'importe quoi. Il n'y a rien dans leurs courses. Là, c'est très très grave ce qui vient de se passer. La bonne merde. C'est pas la folie, quoi. Au bord de la crise. Ouais. Moi, vous avez à manger. Tu vas pas t'y mettre. En tout cas, pour les activités, faudra pas trop se dépenser, hein. Parce que vu que vous avez pas beaucoup à manger, vous risquerez de trop maigrir. C'est des vraies petites femmes, ils pensent à leur corps, à leur régime. Et nous, au final, on est des vrais petits mecs parce qu'on s'en fiche complètement. Donc, cette semaine promet d'être très drôle.
Cette semaine, la voix a déclaré la guerre des sexes. La veille, les habitants ont été répartis en deux équipes qui s'affronteront tout au long de la semaine. Celle des filles contre celle des garçons. Ici la voix, à tous les habitants. Aujourd'hui, la voix a décidé que vous vous affronterez sur une énigme. La voici. Dans un premier temps, les équipes devront trouver une lettre cachée dans leur chambre. Un F pour les filles et un G pour les garçons. Une fois trouvée, les équipes pourront l'échanger auprès des petites mains de la voix contre une clé de décryptage qui les aidera à résoudre l'énigme. Le résultat est le code du coffre noir qui renferme le gain. À tous les habitants, êtes-vous prêts ? Oui ! 3 2, 1, c'est parti! Allez, allez, viens, allez, 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 félicitations à l'équipe des filles. Vous obtenez la clé de décryptage pour vous tenter de résoudre le mystère. La clé de décryptage reçue par les habitants est une photo de la roue qui se trouve dans le salon. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Tu l'as trouvé ? Ouais. Allez, go, la porte. Bravo l'équipe des garçons, vous avez enfin trouvé votre lettre. Oh là là. Vous pouvez maintenant prendre la clé de décryptage qui va vous donner la petite merci. Main. Merci. Les chiffres de l'énigme sont des lettres écrites à l'envers qui forment quatre mots. Chacun de ces mots se trouve sur la grande roue et correspond à un chiffre. Et ces quatre chiffres composent le code du coffre. Oui, d'accord. Je vois pas, je fais l'arme. Toi aussi, Anaïs, t'as l'arme. Oh putain, j'ai l'air de ça. Je suis sûre que ça. Ok, les chiffres. C'est ça. Oh yes. Le problème, c'est que nos neurones, elles sont pas autant musclées que nos bras. Et là, ça devient un peu plus compliqué, surtout quand on doit trouver une énigme et pas soulever des haltères. J'avoue que pour le coup, on s'est fait un petit peu devancer. À toute l'équipe des filles, en résolvant cette énigme, vous venez de remporter un gain inestimable, un gain inédit. Vous avez activé le pouvoir de la roue des secrets. Wow. En activant ce pouvoir, vous allez devoir désigner lequel de vos adversaires va tourner la roue. En tournant la roue, l'habitant que vous enverrez tombera sur un numéro. Il aura alors 9 chances sur 10 d'être nominé d'office et seulement une chance sur 10 d'être directement qualifié pour la demi-finale. Alors, qui enverrez-vous tourner la roue ? Qui enverrez-vous face à une nomination quasi certaine ? Je pense que Julien est ce qu'il a vécu. Ouais, non. On l'est pas, Thomas, si je veux pas. Moi, je pense qu'ils vont chez Julien. À toute équipe des filles, assistée de Vincent et Thomas, êtes-vous parvenus à vous mettre d'accord sur un nom ? Oui. Oui. Quel habitant envoyez-vous tourner la roue ? Darko. Décision validée. Darko, tu as été désigné par l'équipe adverse, ton avenir dans le jeu. On est désormais remis au hasard. Merci de te placer à côté de la roue. On a pris le plus grand joueur. Ouais. Un stratège. Quand tu veux. On va voir. Tu es tombé sur le numéro 7. À tous les habitants, merci de vous rendre dans le petit salon face au tableau des 10 cases. T'as 7, c'est mon chiffre en plus. Darko, la voix te rappelle que derrière 9 cases se cache une nomination d'office. Et derrière une seule de ces cases
se cache une place pour la demi-finale. C'est sûr. Tu peux maintenant découvrir ce qui se cache sous la case numéro 7. Nominé. Nomination. Bravo à tous. Putain, le 7, il porte pas. C'est cool. On est ensemble. Ouais, grave. C'est charmé. Je suis nominé. Je peux m'en prendre qu'à moi-même parce que j'avais la chance de résoudre l'énigme et je ne l'ai pas fait. Je suis un petit peu déçu de Sarah et d'Anaïs qui n'ont pas eu l'air d'avoir plaidé mon cas plus que ça. Je voulais juste savoir... Comment ça s'est passé? En sort, j'ai écouté moi, pas Julien. Sarah et Mel qui disent pas Thomas. Vincent qui se met au milieu qui dit non, Julien, il a passé une semaine de merde et tout, donc on remet pas Julien. Et moi, je voulais pas Thomas. Thomas, c'est Thomas la facilité. C'est voilà. C'est bon, Vincent qui dit Thomas. À chaque fois qu'on ne sait pas faire des choix, on met Thomas, voilà. Toi, tu es collé à Bastien. Moi, je l'accepte pas du tout. Ouais, ouais, mais. Donc voilà. Et ben là, tu seras collé avec lui. Number one. Et pour moi, tu l'étais. Et vraiment, je te le dis. Depuis que Bastien est revenu, il jure que par Bastien. Il a tout quitté par Bastien. Tu veux te mettre contre le gars qui est recherché dans toute la maison. Après, il faut assumer. Voilà, tu dis que tous les deux, vous êtes les meilleurs joueurs de la maison. Que c'est ton meilleur ennemi. Ben voilà, ben va affronter ton meilleur ami dans ça. C'est ce que je te disais. Ah bah maintenant il est avec Mélanie, tu te retrouves seule. Eh, hey, je vais dire un truc, j'ai fait une semaine sans lui, j'en ai rien à foutre, hein, tu vois, genre, je me portais très bien. Reste dans ton monde de moutons, là. Mais quel, tu parles de monde de moutons, mec? T'as vu un mec arriver, t'en peux eu? Tous des moutons, là. Ouais, bah oui. Eh bah toi, t'es le premier. Ce qui me blesse, c'est qu'aujourd'hui, je suis pas nominé pour ce que je suis. Je suis nominé parce que j'ai soutenu Bastien, parce que j'étais le seul à pas lui tourner le dos. Et je trouve ça très dur. Très dur, et maintenant, je me retrouve dans le sas. Donc si j'ai bien compris, Bastien reste. Cap ou pas cap? Hey, cap, une cape de vampire. Bref, cap, pardon quoi. Voilà, bref, Bastien a décidé de rester jusqu'à preuve du contraire. Affaire à suivre de très près. Tout de suite, un peu de joie dans ce monde de mort-vivant. Félicitations à Natalia, notre grande gagnante de la semaine dernière. Et ça n'est pas terminé. Eh non, car le téléphone rouge va sonner pour vous. Et oui, à la maison, vous aussi, vous pouvez jouer au jeu du téléphone rouge pour tenter de remporter un magnifique cadeau. Imaginez un chèque de 3000 euros. 3000 euros, c'est énorme. Et en plus, c'est exceptionnel. C'est la voix elle-même qui appellera notre grand gagnant. Alors pour jouer, écoutez justement la voix d'Outre-Tombe, bien sûr. Ici la voix. Cette semaine, c'est chez l'un d'entre vous que sonnera le téléphone rouge. Pour vous inscrire au tirage au sort et recevoir l'appel de la voix, envoyez tout de suite le mot « rouge » par SMS au 7 25 25. C'est tout pour le moment. Merci la voix. Bastien est nominé. Darko aussi, entre explications douteuses, reproches et regrets, les relations dans la maison ne sont pas au beau fixe. Il y en a qui risquent de manger. Hein. Enfin, c'est une expression, parce que question placard, on est sur du vide, là. On vous raconte tout juste après la pause, alors restez avec nous. A tout de suite. Secret Story continue, spécial Halloween avec un public plus atroce que jamais. D'ailleurs, si vous voulez faire partie de ce public, n'hésitez pas à nous appeler. Merci d'être là si nombreux et de commenter l'émission avec le petit hashtag SS10. Jour de peur, de mystère, de frisson, c'est Halloween et on va fêter Halloween ensemble avec la Secret Team dans le débrief. Restez bien avec nous, ça va être à mon avis totalement culte. Hein. Je vous préviens, on a prévu des trucs déments avec même des têtes de trolls en vrai, vous allez flipper. Et puis notre invité, bien sûr, Loïc de Secret Story 9, lui, il fait pas peur. Encore que, regardez le costume, regardez le maquillage. Moi, je flippe un petit peu. Profitez bien, en tout cas, de ce qui va se passer ce soir et restez bien avec nous. Dans la maison aussi, ça tremble, ça flippe, ça angoisse. Rien à voir avec les morts vivants ou nos sorcières. Non, on serait plutôt sur une histoire de placard vide. Et ça fait vraiment flipper. Imaginez, Darko, en plus, est nominé. Du coup, il est sur les dents et en plus, il a les crocs, ce qui fait quand même beaucoup, même s'il a 18 000 canines. Hein, regardez. Après leur première visite de l'emblématique supérette, les équipes ont dû échanger leurs courses. Les garçons se sont retrouvés avec les denrées des filles, qui ne sont pas vraiment à leur goût. Hey, t'es mal notre frigo, quoi.
On a un truc de maudit. C'est l'horreur, c'est un fake. C'est une arnaque. Voilà. Eh, vous voulez pas échanger ça là? On échange rien du tout. Ça c'est lourd, prenez ça. Non. Putain, on leur a fait les courses de malade. Ils ont dû courir à paix pour deux semaines là. En tout cas, Darko permet-moi de te dire merci. Ouais. Mais tu vois, moi, quand c'est, ça parle de vous, ça me fait pas rire pour le coup. Tu vois. Franchement, il y a des sujets, il faut pas trop me chercher là-dessus. La nourriture, c'est vraiment toute ma vie. Je fais que de manger, je mange 8 fois par jour. Et quand j'ai pas ce que je veux, je suis pas bien. Donc Mélanie, il faut qu'elle arrête de me provoquer parce que là, ça va vraiment me gonfler. Oui. Je suis heureuse de pas être comme toi. Vraiment. C'est une chose que je suis heureuse dans ma vie. Tu savais comme tu es bien pire. J'ai aucune sympathie pour les gens comme toi, je peux le dire comme je pense. Bah, c'est bien comme ça, on est deux. Identique au moins sur un point. Darko est complètement grave avec la bouffe, il va vraiment falloir qu'il se détende. Franchement, je sais pas comment ça va se passer pour lui, mais ça va être très compliqué. Viens, on va braquer l'épicerie. Bien, je rigole pas. Mets une veste, on va braquer l'épicerie. Et mets un truc sur toi. Regarde. Mais tu vois bien la truc. Mission échouée. Franchement, on n'est pas au top du cambriolage à la perfection. Mais j'ai trop faim, je m'avoue pas vaincu. Tu vas mettre de l'ail dans la soupe? Non, je vais faire des oignons à côté là. Oh là là, mais des oignons, tout ça, ça nourrit? Ça nourrit que dalle. Mais t'inquiète pas, on va se nourrir là. Ah, tu vas faire l'opération? Évidemment. Évidemment. Est-ce que j'ai bien compris, Darko, que tu étais en train de dire que t'allais plus tard les courses des filles? Est-ce que c'est ce que je viens de comprendre? Je viens de dire que je prévois de faire un petit festin là. Pâte de poulet, réussi. Je kiffe mes pâtes, je kiffe mon poulet, je kiffe ce que je mange. Bon, je vais voler. Je suis pas fier, mais j'avais faim, voilà. J'avais faim. Un proverbe connu dit que la nécessité fait loi. Et dans la maison, certains sont prêts à enfreindre quelques règles afin de pouvoir se coucher le ventre plein. Dans un instant, c'est le Halloween débrief qui va commencer, même si j'ai pris un petit peu d'avance, il faut dire ce qui est, mais toute la Secret Team, vous allez découvrir comme vous ne les avez jamais vus, ainsi que Loïc, le frère jumeau d'Emilie de la saison 9. Il nous dira ce qu'il pense de l'attitude de nos habitants de cette année. Il va donner ses coups de cœur, ses coups de gueule, ses coups de griffe et même ses coups de dents. Ah, on le retrouve juste après cet aperçu de ce qui vous attend demain dans la quotidienne. Visiblement, le dossier course à la supérette est loin d'être clos. Alors ne bougez pas, car c'est loin d'être tout pour le moment. Qui a commencé à voler la bouffe? Vous. Moi, j'ai pris un bol de soupe. Voilà, dans cette bonne guerre. Et alors? Et il a resté quoi dans le placard, Sarah? Non, il restait des oignons et la soupe. Et s'ils avaient fait après? Non, vous savez pas que c'est pour vous. C'est pour vous qu'on aurait dû.
Oui, mais après, on n'avait plus rien et Sarah est venue nous prendre notre soupe. Mais t'en savais quoi, Sarah? Tu la vois? On n'allait pas. Non, je sais, mais après, je te dis que. Ils n'ont pas volé trois déjà. Il y en avait un dans ta mère. Ce n'est pas tout pour le moment. Exclu, live, inédit, connexion. Là-haut, dans les nuages, vous allez tout voir, vous allez tout savoir. Ce soir, dans Secret Story, le débrief. Rebonsoir à tous. Merci d'être dans le débrief sur NT1, bien sûr, le débrief spécial Halloween. Regardez comme ils sont vilains, mais vous êtes géniaux, je vous adore. Ah là là, on vient de le voir, grosse embrouille dans la maison. Il faut quand même savoir que tout a commencé parce que Thomas de SS4 et Sarah ont volé une soupe. Il n'en fallait pas plus que ça pour que ça parte en vrille dans la maison. Ah oui, c'est Halloween, c'est l'horreur évidemment. Et pour ce jour qui fait un petit peu peur, nous allons regarder tout de suite la suite de cette image, de cette connexion. Bastien sera en duplex dans la maison. On en saura plus dans quelques instants et je vous présenterai évidemment ma terrible Secret Team version Halloween. Mais d'abord, connexion avec la maison, s'il vous plaît. Même si, je vais t'expliquer, Darko, je vais t'expliquer un truc. Mmh. Même si tu lui voles tout le frigo, du moment où c'est elle qui commence à vous prendre le truc de soupe, en sachant que vous avez plus surtout rien. Surtout qu'on n'avait rien. Moi, je suis toi, je vole tout le frigo. Non, mais voilà. On voulait, mais après, on s'est dit, vas-y, même moi, je voulais prendre c'est le gardon. C'est trop facile, après, dire, hey, je voulais, je vais dire la vérité, je voulais prendre le gardon aussi, Julien, il m'a dit non. Ouais, mais ne vous narguez pas, ne mettez pas vite dans le frigo comme ça aussi. Quoi? Mais vous nous avez nargué toute la journée, ça. Vous nous avez. T'as dit ne nous narguez pas. Mais alors, t'as fait un truc, t'as pointé du doigt. Dans le mur. Ne nous narguez pas. Dans le mur, peut-être tu l'as. T'as dit ne nous narguez pas. Tu crois que t'impressionnes qui en faisant ça? T'impressionnes qui en faisant ça? Je comprends pas. J'ai comme l'impression que Darko, il faut pas l'embêter quand il s'agit de manger hein, et de passer à table. Là, ça rigole pas. Hein. Il faut pas qu'il fasse Koh-Lanta. Je vais vous présenter ma fine équipe. Elle est belle, elle est blonde, autant dire que dans un film d'horreur, son espérance de vie est de maximum 30 secondes. Julie Taton. Merci. Bonsoir tout le monde. Vous êtes pris quoi, là? Un bus. Ah, non, vous êtes pris un bus. Simplement. C'est voilà. Ça. Ah, mais ça, le 12, il s'arrête jamais au feu rouge. Non, ça c'est terrible. Je l'ai sorti passer. Hein, c'est terrible. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu le film L'Exorciste, mais alors, elle me fait penser à la petite fille dans L'Exorciste, celle qui vomit du guacamole. C'est Leïla Ben Khalifa. C'est plutôt Catwoman. On est plus sur Catwoman, quand même. Non mais au niveau des yeux. Mais j'ai pas le guacamole. Juste au niveau des yeux. Grâce à son auto-bronzant, d'habitude il a l'allure d'une citrouille toute l'année, mais alors là aujourd'hui je sais pas ce qu'il a fait, Adrien Lemaitre. Bonsoir Christophe. Vous êtes infâme. Applaudissements. Vous êtes pris aussi un bus. Quoi? Vous êtes pris aussi un bus? Ouais, moi c'était la ligne 13. Ah, la ligne 13. Okay. Elle est fatale celle-là. Alors quant à lui, sachez que lorsqu'il sonne chez de charmantes demoiselles, ça n'est pas seulement pour leur demander des bonbons. Mmh. Merci d'accueillir Loïc de la saison 9, s'il vous plaît. Loïc Fiorelli. Allez vous asseoir. Regardez, vous allez être en charmante compagnie. Bonsoir tout le monde. Ça va? Ah Loïc, vous êtes très bien. Voilà, vous allez vous asseoir à côté de votre sœur. Et ces problèmes de dos ne s'arrangent pas. Bravo. Non. Non, non. Non, je vois que vous prenez soin d'elle. Mais oui, regardez, elle a l'air en forme, Emilia. Elle peut changer quand même. Ah, mais ça, depuis qu'elle a commencé le débrief de Secret Story, elle va beaucoup mieux. Ça. Ouais, va falloir la nourrir un petit peu quand même. Bon, vous êtes le bienvenu, ça fait plaisir de vous voir. Ouais, merci, ça fait plaisir, ouais. Bon, alors c'est vrai que vous n'avez pas très très bonne mine. C'est du maquillage, hein, rassurez-nous. Non. D'accord. C'est la fatigue. Je bosse beaucoup, vous savez. Ah, vous bossez vraiment? Ouais. C'est vrai? Vous avez donc... Vous avez donc... Non, toujours pas. Non. Vous parlez les moniteurs de ski travaillent 2 heures par jour. Mais c'est non pas vrai, ça. C'est pas vrai, non. C'est plus vrai, ça. On travaille 8 heures par jour. Ah ouais? Et même plus. Ah oui. Oui, mais ça, ouais, c'est ça, pour c'est les cours voilà particuliers, ça. On va dire ça, ouais. Voilà, c'est ça, on va dire ça. On commence à le connaître, le Loïc. Alors, on va évidemment savoir un petit peu plus sur ce que vous devenez, Loïc, depuis votre sortie de la Maison des Secrets. Mais d'abord, quel est le programme de ce débrief spécial Halloween? Je me retourne vers Moumoune qui fait peur. C'est parti. C'est parti. Ce soir, non le débrief. Exclusif entre Bastien et Mélanie, la confiance semble rompue. Et notre couple prend de la distance. Dans la tourmente, vont-ils s'en sortir? On en parle. Qui sait? Duplex, Bastien sera justement avec nous pour tout nous dire sur son avenir avec Mélanie, sa nomination d'office et son futur dans la maison. À suivre.
Zoom, dans 3 semaines déjà, c'est la grande finale de Secret Story. Quelques secrets n'ont pas encore été découverts, on vous dira tout. Ah, on va faire le point. Oh oui, ça c'est bien nécessaire. Et bien sûr, on se connectera avec la maison s'il s'y passe quelque chose. Et on n'oublie pas notre boule bleue magique. Alors, sera-t-elle en mode Halloween? Oui, plein d'images affreuses aujourd'hui. Ah, très bien. Vivement Mister Secret. Dites-moi, vous pouvez nous présenter votre pote que vous avez sur l'épaule quand même, parce que vous n'êtes pas tout seul. Oui, c'est vrai. C'est qui ça? Écoutez, on va l'appeler Shana. Shana, je sais pas pourquoi. Shana. C'était le mien l'année dernière pendant Halloween. Mais oui, parce qu'il faut, savoir quand même qu'on fait du recyclage. Oui. Vous êtes très nombreux à avoir mis des messages sur les réseaux sociaux. Oui, c'est la veste que portait Bastien lors du Prime jeudi soir. Je peux dire également, oui, c'est la veste que Thomas portait jeudi soir sur le Prime. Et non, ça veut dire que vous êtes plus ou moins gaulé comme Bastien alors. Bah, franchement, vous n'aviez pas remarqué. Oui, je suis gaulé comme Bastien. Moi, c'est Thomas, hein, c'est ça. Oui, et vous êtes gaulé comme Thomas. C'est bien, il a des bons appels. Il est très gaulé, Thomas. En revanche, ce qui peut nous rassurer, mesdames et messieurs, surtout messieurs, sachez que ça appartient vraiment à Leïla, hein, le costume de Catwoman. Elle le met de temps en temps. Oui, bah il y a de quoi. Allez, l'image du jour, c'est parti. Ça va faire très peur. Alors, l'image du jour, c'est le froid glacial dans le couple Bastien-Mélanie. Depuis son retour dans la maison, la confiance est rompue et les amoureux semblent plus éloignés que jamais, à tel point que Bastien a même menacé ce week-end de quitter la maison. Mais alors, comment peuvent-ils s'en sortir? On découvre ça en image. Oh là là, ça me saoule qu'on l'attende comme ça. Mais je m'en vais. Il fait ce qu'il veut de toi. Et tu es éteinte. Maintenant, tu penses à toi. Depuis leur retrouvaille, Bastien et Mélanie ne sont plus sur la même longueur d'onde. Et c'est galvanisé par les anciens qu'aujourd'hui, la belle décide de mettre les points sur les i dans son couple. Ça me plaît pas, quoi. Et la semaine passée, j'étais vraiment moi et je me suis vraiment amusée pour une fois, quoi. Donc avec moi, en fait, je t'empêche de t'amuser, c'est ça? J'ai ouvert les yeux sur pas mal de choses cette semaine. J'ai un ras-le-bol général. De Bastien et moi. Un ras-le-bol qui, vous l'avez vu, s'est terminé par la rupture la plus rapide de l'histoire. Bah tu veux arrêter? On arrête si tu veux. Bah d'accord alors. Avoir toute la maison contre lui, c'est une chose. Mais avoir Mélanie contre lui, pour Bastien, c'en est trop. Il décide de jeter l'éponge. Pourquoi? Tu veux partir? Donc, ouais, je vais partir. Je n'avais rien à foutre que tout le monde soit contre moi. Je n'avais rien à foutre. Ce qui comptait, c'était que toi, tu sois pas contre moi. Je suis entière, je te dis ce que je pense. Et pour moi, si là tu pars, t'es un lâche. Et c'est une grande surprise, car le Bastien, que l'on a toujours connu stratège et joueur, montre pour la première fois des signes de faiblesse. À l'intérieur, bah, je suis malheureux. Sans elle, bah, j'aurais plus le goût de me remettre dans le jeu. Donc si c'est comme ça, eh bah, c'est la fin pour moi. On a enfin réussi à enlever la merde, toi tu vas partir, alors que là on peut avoir au final que des bons moments. On peut plus avoir des bons moments. Bien qu'il y ait de l'orage dans l'air, Mélanie pour autant n'est pas prête à voir Bastien partir. Et c'est à force de persévérance qu'elle va réussir à le convaincre de rester. S'il te plaît, reste au moins pour moi. Allez, s'il te plaît. Bastien reste, à première vue, le couple semble réconcilié et pourtant... Ouais, c'est pas 100% réconcilié. Hein. Après cette dernière semaine, il y a un truc qui est cassé. Quand un miroir se brise, on peut toujours en apercevoir les fissures, bien que l'on ait recollé les morceaux. Car une chose est sûre, entre Bastien et Mélanie, plus rien ne sera jamais pareil. Réussiront-ils à donner un second souffle à leur histoire? J'espère qu'on va réparer les pots cassés qu'il y a eu entre nous, que la confiance s'instaure à nouveau entre nous, qu'on soit de nouveau heureux comme avant. Il va falloir se battre, il va falloir s'accrocher, ça sera pas facile. Ce jeu nous a vraiment mené la vie dure, mais on est plus fort que ça. Ah, c'est compliqué l'amour dans la maison des secrets, hein, c'est très très compliqué. Bon, on va évidemment parler de ce oui ou non faux départ de Bastien. Finalement, il n'est pas parti. Et on va vous demander votre avis sur le Secret Life de MyTF1 d'ailleurs. Bastien a-t-il bien fait de rester? 0 étoile si vous pensez que non, il aurait dû partir. 5 étoiles si vous pensez que oui, il a bien fait de rester pour affronter le SAS. Je le rappelle, jeudi soir, on découvrira vos notes en fin d'émission. Mais on vous a demandé évidemment autour de la table ce que vous en pensiez. Il faut savoir que tout le week-end, vous êtes très nombreux à vous être posé la question. Il y a eu les rumeurs les plus folles sur les réseaux sociaux. Il y a même eu des rumeurs soi-disant qu'il serait parti avec Mélanie. Tout ça n'était pas vrai, mais vous savez, il y a toujours beaucoup de fantasmes autour de Secret Story. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de suivre MyTF1. On a pu découvrir des vidéos dimanche. Ouais. On voyait justement Bastien qui était
resté dans la maison des secrets. Il a perdu quelques cheveux au passage, mais il est resté. Oui, ça, il a changé de coiffure, peut-être, mais parfois on dit que quand on change de coupe, c'est qu'on on repart nouveau de zéro. Départ. Voilà, exactement. Nouveau départ. Ah, c'est beau, vous êtes un poète. Ben oui, ben non, je suis un psychologue avant tout. Julie, Leïla, Adrien, vous avez tous les trois mis 5 sur 5. Vous pensez oui. qu'il a bien fait de rester. Un peu plus mesuré pour Loïc, vous avez mis 3 sur 5. Ouais. Vous vous dites quoi? Que ça aurait pu être l'occasion de partir sans, de, finalement. Sans prendre de risques ? Non, alors pour moi, il a bien fait de rester, ouais. mais il aurait dû partir jeudi dernier. Il n'aurait pas dû mettre Fanny et Julien. Ah, il aurait dû mettre tout le reste du groupe et le public aurait dû le faire sortir. Il aurait dû affronter le SAS il aurait jeudi dû affronter dernier. Le SAS, ouais. Ouais. Il n'a pas eu le courage, il a mis son pote et c'est bien dommage. Et oui, c'est vrai que c'est la stratégie pour tenter de passer une semaine de plus dans la maison. C'est une stratégie, mais il faut être fair play, c'est un jeu. Et bon, il y a des amis aussi dans le jeu. Ouais. Même si le jeu passe avant les amis, parce qu'on ne les connaît que depuis le mois d'août finalement. Mais il ne faut pas abuser non plus. Vous pensez qu'il est allé un peu trop loin? Je pense qu'il est allé un peu loin. Hein. Et alors, vous tous, en tout cas, tous les trois, vous êtes d'accord? Vous pensez qu'il a bien fait de rester? Leïla, dites-nous. Absolument, parce qu'il doit assumer ses responsabilités ou peut-être il doit laisser le choix au public. Peut-être cette semaine, quand il le voit jouer en solo, ça, c'est touchant quand même. Mais c'est il faut reconnaître ses erreurs aussi. Voilà. Je pense qu'il n'a pas fait. Moi, je pense qu'il est un peu à terre, que les gens peuvent lui donner une autre chance, peut-être. Il y a des gens qui je vois sur les réseaux sociaux qui s'attachent de plus en plus à lui parce que c'est pour la première fois qu'il est devenu un petit peu sensible plus et fragile. Fragile. Ouais, touchant. Donc on s'identifie en lui finalement. On peut comprendre qu'il se sente seul. C'est difficile ce qu'il vit dans la maison en ce moment, Adrien, quand même. Oui, c'est difficile. Après, je pense qu'il a pris une bonne décision parce que faire un sas jeudi, c'est sortir par la grande porte. Voilà, on a eu beaucoup de sorties dans Secret qu'on puisse passer le lundi ou le mardi. Sortir sur le prime, affronter le sas, affronter les autres. C'est plutôt signe d'un grand joueur et pour ça, chapeau à Bastien d'être resté. Et puis c'est une chance aussi, il ne faut pas l'oublier. Il y a plein de gens qui rêveraient de participer à c'est vrai. À Secret, est-ce qu'il y a des gens qui rêveraient de participer à Secret Story dans le public? Moi, je suis sûr qu'il y en a. Ah oui, on en a. Restez habillé comme ça en monstre. Non, vous non. Non, vous non. Bah, vous avez... Non, c'est pas trop possible. Tard, non. Bah, franchement, non. Bon, qu'est-ce qu'on présente vous? Non. Vous n'êtes pas crédible. Vous n'êtes pas crédible, ça n'est pas possible. C'est pas raisonnable. Sachez que Bastien sera dans quelques instants avec nous. Duplex du confessionnal, il nous dira comment il vit tout ce qui se passe en ce moment dans la maison et cet isolement qui doit être quand même compliqué à affronter. Sachez qu'il n'est pas totalement seul parce que, bon, Mélanie, un coup ça va, un coup ça va pas, mais Darko, visiblement, lui, continue de parler à Bastien. Il a décidé de ne pas le lâcher, on l'a vu dans la quotidienne, ça lui vaut d'ailleurs des critiques de la part des autres habitants et notamment de Sarah. Regardez. Je parle plus devant Darko parce qu'il répète trop Bastien. Ah oui, balance tout, c'est une grosse balance, c'est très bête. Narco, c'est une grosse balle. Moi, je suis pas un mouton qui écoute tout ce qu'on me dit. J'arrive à discerner l'amitié et le jeu. Tu vois, ce que je fais exactement et ce que tu n'arrives pas à faire. Le mouton ne parle pas avec la brebis. Alors, tu peux aller dormir, merci. Toi, les loups ne parlent pas au mouton. Ouais, bah, si tu crois que t'es un loup, mon pauvre, t'es mort dans le film. Hein. Là, oui, il a pas de compte. Vas-y, Sarah, vas-y, reste dans ton monde de moutons. Hein. Tous des moutons, là. Ouais, bah oui. Eh bah, toi, t'es le premier. Quoi? Toi, t'es le premier. Ah ouais? Où? Ah ouais. Y'a que moi qui, genre, lui tourne pas le dos parce qu'il a fait une action de jeu, en fait. Ouais, maintenant, il est avec Mélanie, tu te retrouves seul. C'était tellement bas, je comptais dormir. Hein. Ouais, bah oui, il est avec Mélanie. Je vais dire un truc, j'ai fait une semaine sans lui, j'en ai rien à foutre, hein, tu vois, genre... Calmos, ça, hein. C'est vite, juste, bah ouais, je suis content de le retrouver, c'est tout, mais sinon j'en avais rien à foutre, hein, je me portais très bien. Et voilà la réaction de Darko, hein, qui tient bon. C'est impressionnant, ça montre que Darko, voilà, il est fidèle, lui, pour le coup, par rapport à... On parlait de trahison tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez, Loïc? Dans la situation de Darko, oui, il a bien raison de soutenir Bastien. C'est son pote et il faut que ça reste son pote. Et donc, il ne veut pas le lâcher. Ils n'étaient pas spécialement amis au début. Je veux dire, le mec, il est juste. C'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il y a une situation difficile. Comme vous l'avez dit, on est dans un jeu. Bah voilà, à un moment donné, on peut faire des erreurs. Après, Bastien doit assumer ses erreurs, mais il ne faut pas laisser quelqu'un de côté non plus. Non, alors, on va justement parler avec Bastien, puisque Bastien est installé au confessionnal. Est-ce que vous m'entendez, Bastien? Salut, Christophe. Salut, Bastien. Bon, bah écoutez... Déjà, on va commencer. Belle coupe de cheveux. Alors, merci. Nous, on valide la coupe de cheveux. Vous êtes d'accord dans le débrief? On valide Oui, oui, nous, on adore. C'est très bien. Leïla, Julie. Bah, rien que pour la coupe, je le garderai. Ah, bah voilà. Bah, écoutez, merci, Leïla. Votre coupe séduit beaucoup, hein, visiblement. Bon, comment vous vous sentez malgré ces moments un petit peu compliqués dans la maison en ce moment? Ça a été très dur au début, mais les choses s'apaisent avec Mel. Et puis, j'ai un bon allié, Darko, mon bon ami qui.
a pas de problème pour se mouiller, pour me défendre, donc je commence à revenir un peu. Oui, on voit que Darko vous reste fidèle. Avec Mélanie, tout va bien, sérieux, parce qu'on ne sait plus, hein, parfois c'est compliqué. C'est compliqué, et puis elle n'a pas apprécié mes choix, mais voilà, on vit au jour le jour, on profite de l'instant, et puis on verra comment ça s'améliore. Vous comprenez sa réaction, c'est vrai que vous l'avez mis dans une position délicate vis-à-vis des autres habitants. Exactement, je comprends sa réaction, c'est très difficile pour elle, et ça fait longtemps que c'est très difficile pour elle dans ce jeu, donc j'aimerais pas être à sa place. Est-ce que vous comprenez également la réaction des habitants vis-à-vis de vous? Ils vous en veulent beaucoup, toujours. Hein. Je comprends aussi la réaction des habitants, mais pour moi, ils ont du mal à prendre un peu de recul. Pour moi, c'est un jeu et il faut le jouer comme un jeu. Et ils sont un peu esclaves de leurs émotions, malheureusement. Vous, vous vous considérez comme un joueur et pour le coup, vous essayez de mettre vos émotions à distance, c'est ça ? J'essaye de mettre un petit peu mes émotions à distance parce que, bien sûr, à ce stade de l'aventure, bah, on est obligé de prendre des risques et de faire prendre des risques parfois à des gens à qui on tient. Bah, en même temps, c'est important, l'affection dans la Maison des Secrets, pour tenir, justement, pendant 3 mois. Et j'en suis le premier exemple. Moi, sans l'affection de Mel, aujourd'hui, je ne sais pas comment je ferais. On voit que vous êtes de nouveau à fond dans le jeu. J'en ai bien l'impression. Vous restez jusqu'au bout maintenant, c'est sûr. Hein. Je reste jusqu'à ce que les téléspectateurs décident de mon sort. Voilà. Et là, pour l'instant, vous êtes face à Darko, puisqu'on a vu que Darko était nominé. Est-ce que vous craignez de vous retrouver face à votre pote Darko dans le SAS jeudi, et peut-être d'autres, on verra, en fonction de ce qui se passe dans les jours qui viennent? Ben, comme vous le voyez, je ne le crains pas de me retrouver dans le SAS. Et puis, je suis content d'y aller avec mon pote. Et puis, on a été meilleurs ennemis pendant tout le jeu. Donc c'est un plaisir. On y va voilà, en homme, sans peur, parce qu'on n'a pas peur de prendre des risques. C'est courageux, Bastien. On vous souhaite une belle soirée dans la Maison des Secrets. Merci. Ciao. Et voilà pour Bastien. Nous avons appris des choses quand même. Bastien met ses émotions à distance. Ce qui signifie qu'il a... Oui, ah, le téléphone sonne. Hein. Alors, un jour d'Halloween, je crains le pire. Loïc, ce sera peut-être pour vous. On va voir. Peut-être. Allô, Loïc, balance-nous quelque chose d'horrible sur ta sœur, Émilie. Dépêche, j'ai pas que ça à foutre. J'ai un kebab à grailler. Supprime. Alors, vous avez bien compris, Loïc, c'est pour vous. Il faut que vous balanciez une horreur sur votre sœur qui est assise à côté de vous, je vous le rappelle. Quelque chose qu'on peut raconter à la télévision, oui. Bien évidemment. Non, parce que vous connaissez Loïc, il est dangereux. Oui, c'est pour ça, effectivement. Oui. J'ai dû me prévenir avant que je réfléchisse à un truc où elle va pas m'engueuler. Un truc horrible sur ma sœur. Hey, on vous laisse réfléchir le temps du jingle, ouais, si vous voulez. Laissez-moi réfléchir. Allez, on passe à l'enquête du jour. À suivre pour le dossier, Émilie. Aujourd'hui, on s'intéresse à la chasse aux secrets. À seulement 3 semaines de la grande finale, quels sont les secrets qui ont été découverts? Quels sont ceux qu'il reste à trouver? On fait un petit point avec Adrien, n'est-ce pas? Oui, regardez, petit récapitulatif depuis le début de cette saison. Et on commence avec ces secrets qui ont été découverts. Souvenez-vous, il y avait d'abord le premier secret, celui de Darko. Je pense que Darko est un champion de jeux vidéo. J'ai bien été un des meilleurs joueurs du monde. Et puis il y a eu bien sûr le secret très émouvant de cette saison, celui de Thomas. Je pense que Thomas est déjà tombé enceinte. Je suis le premier homme enceinte du monde. Il y a également le secret des jumelles qui étaient maîtresses des identités et de Fanny qui a participé pour la 3e fois à Secret Story. Il reste donc aujourd'hui dans la Maison des Secrets 4 secrets à découvrir avant la grande finale. Celui de Bastien et Julien qui sont donc liés, celui de Mélanie et enfin celui de Sarah qui est mis en danger ces dernières heures par Darko. Christophe. J'ai l'impression que celui de Mélanie... Personne n'est dessus. Hein, ils s'en sont approchés quand même pendant... Oui, il y a une histoire d'héritage, de famille, ouais. Mais alors ils sont persuadés qu'elle est la fille de quelqu'un de très célèbre, alors que ce n'est pas oui, ça du c'est tout. C'est un peu difficile, son secret. Ah, l'intitulé de par son contre, secret celui de Sarah, est très complexe. Il est en risque, mais grave. Ouais, celui de Sarah, on verra bien. Dites-moi, on vous a laissé un peu réfléchir le temps de ces explications. Du coup, vous n'avez absolument rien écouté de ce qu'on vient de dire. Alors, vous avez trouvé un petit dossier pour votre sœur? Je dirai rien. Non. C'est pas possible, ça. C'est un ordre de la voix. Oui. C'est le téléphone rouge de la voix. Vous étiez beaucoup plus obéissant l'année dernière. C'est vrai, mais... Il y a bien un dossier. Un truc, non, je peux rien dire. Il y a bien un truc. Les dossiers que j'ai, je peux pas les dire à la télé, c'est pas possible. Émilie, elle est derrière sa télé. Il n'y en a pas un qu'on peut raconter qui ne mette pas en danger son couple actuel, évidemment. Non, mais il n'y a pas de dossier. Ah bon, ça va. Rassurez-moi. Peut-être ces crises de jalousie, je vais pas tout raconter, mais... Arrêtez-vous là, bon, écoutez, restez avec nous, on arrivera à lui tirer les verres du nez avant la fin de l'émission. Hein. Puisqu'on a parlé de Darko il y a quelques instants, il est plus que jamais sur les traces du secret de Sarah, vous le savez. Vous allez voir que ça chauffe de plus en plus, vous nous le disiez, Leïla, mais regardez ces images totalement inédites pour le débrief. C'est de pire en pire. Sarah, accroche-toi. Tu te rappelles que je voulais te baiser? Je pense que t'as été choisie par un jury. Mais pour... Allez, ici.
Il peut ouvrir la porte de la maison des secrets, quoi. Pour intégrer la porte de la maison des secrets. Enfin, tout coïncide. Le seul truc qui... où j'ai du mal, c'est ces trois silhouettes. Julien, il était parti sur des anciennes habitantes. Et je me dis, saison 10, ben, c'est une gagnante. T'es dans le bon en truc quand tu penses jury, tout ça. Enfin, en termes d'intitulé et en termes de monde secret, t'es grave. Bah voilà, on y est, il connaît tout. Enfin voilà, il dit mon secret, mais mot à mot, quoi. Moi, ça me fait trop peur. Eh bien, il y a de quoi avoir peur, ça va être à mon avis assez difficile pour Sarah. Alors, pendant ce magnéto, j'ai reçu un texto d'Émilie qui me dit qu'elle ne veut absolument, absolument que rien ne soit dit, sinon elle balance un dossier sur moi. Donc, on oublie, on en reparle. Le téléphone rouge sonne parce que sachez que vous, à la maison, vous allez pouvoir jouer au jeu du téléphone rouge et tout comme nos habitants, c'est la voix en personne. C'est la voix en personne qui va vous appeler pour vous faire gagner 3000 euros. Imaginez, 3000 euros pour faire plaisir à vos proches et vous faire plaisir à vous aussi, il n'y a pas de raison. Hein. Mais pour ça, il faut bien écouter la voix. C'est parti. Ici la voix. Cette semaine, c'est chez l'un d'entre vous que sonnera le téléphone rouge. Pour vous inscrire au tirage au sort et recevoir l'appel de la voix, envoyez tout de suite le mot « rouge » par SMS au 72525. C'est tout pour le moment. Et voilà, c'est tout simple. Bonne chance à vous, évidemment. Et on appellera le gagnant, enfin la voix appellera directement le gagnant. Ah, mais c'est un standard. Dis donc, alors excusez-moi, mais là, ça commence à bien faire. Alors, le débrief, bonjour. Ouais, c'est encore moi, ma gueule. Christophe et là, il a descendu direct dans le temple avant que je me vénère. Non. Supprime. Dans il faut le qu'on temple. Descende dans le temple. Le temple des secrets, allez. Mais quoi maintenant? Ah, une petite épreuve dans le temple des secrets, bah allez-y. Encore, allez. Bon. Allez, allez, allez. Bon, bah, bien, allez. Les amis, on vous adore. Bah, écoute, on va dans le temps direct. Je pense que ça va être compliqué. Salut, bah, c'est Halloween aujourd'hui. Hein. Tout peut arriver. À tout à l'heure. On va donc leur laisser le temps d'aller rejoindre ce fameux temple des secrets. Et en attendant, on va regarder quelques images de l'année passée. Souvenez-vous, c'est un moment culte de Secret Story. Si je vous dis Mélanie et les bocaux, ça vous dit quelque chose? Ah, c'était génial. En tout cas, ce sont des images qu'on aime beaucoup. Mélanie. La voix te laisse tenter de récupérer le code situé dans les citrouilles qui se trouvent face à toi. Maman, 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 maman. Maintenant, maman, maintenant, maintenant, maintenant. Cette phobie, maman. Maman. C'est juste des bonbons et du gel douche. Allez, maintenant. Non, mais ça me dégoûte. Il te reste 20 secondes. Il y a encore deux autres citrouilles derrière. Hein. Mais c'est des pistoles. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Allez, allez, faut y aller. 4, 3, 2, 1. Tu as perdu, Mélanie. Mon Dieu. Alors, Julie, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'on leur a préparé une énorme surprise dans le temple des secrets. Je les rejoins immédiatement. En fait, je vais me cacher dans une boîte. J'enlève mes cicatrices et ils vont croire que je suis une grosse bête et tout. Enfin, vous allez voir. J'y vais, je fonce et je passe par là. Bon, dites-moi, Loïc, vous retrouvez dans ce genre de situation, ça aurait été aussi des petits cris un peu très féminins ou ça aurait été la gestion? Ouais. Moi, j'ai une phobie, c'est les araignées, donc j'aurais eu peur de mettre la main. Et donc ici, à côté, ça va en plastique, ça vous fait pas trop peur? En plastique, ça va, mais dans un bocal comme ça... En fait, oui, c'est vous qu'on aurait dû emmener, on aurait bien rigolé, à mon avis. On aurait pu, ouais. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils sont prêts. On vient de me le dire à l'oreillette, donc on va tout de suite se connecter avec les temples des secrets. C'est là. Ok, moi c'est là. Voilà. Attendez. Ici la voix. Leïla, Christophe, soyez les bienvenus dans le temple des secrets. Mon Dieu. J'ai peur. Pour sortir du temple, vous allez devoir trouver chacun une clé vous donnant accès à la sortie. Oui. Ces clés se trouvent dans des bocaux sous les draps devant vous. Mais votre tâche va s'avérer plus difficile que prévu. Car vous allez devoir réaliser cette épreuve dans le noir. Ah non. Non, ne commencez pas. Mon Dieu, Christophe. Bah, c'est qui, c'est là? Non, t'es où? Attends, je sais même pas où est la table. Non, la table, elle est là, normalement.
Je vais avoir des bleus, merci bien. Pauvre chérie, ça va. Christophe, oui. En face de toi se trouve un bac. Oui. Et maintenant, plonge tes mains et cherche la clé. Non, chérie, ne pense pas. C'est horrible. Je sais. Et pourquoi moi j'ai. Mais ça bouge ou pas? Ah, c'est quoi? Ah. Ah. Quoi? Ah. 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 Christophe! Y'a quoi? Je sais pas. Tu sens quoi? Ah, y'a des trucs qui me piquent! Non, attends, pique? Non, y'a des. Ah, non, ne me fais pas! J'ai peur! Arrête, ah, qu'est-ce qu'ils te font? Je sais pas! Ah! Ah, ah, c'est dégueulasse! Vous êtes. C'est dégueulasse! Ah, ah, c'est horrible! Ah, ah. Attends. Oh, c'est horrible. Cherche plus, chérie. Ah, bouge, bouge. Ah, ah, j'ai trouvé la clé. J'ai trouvé la clé. Je ah, ça pue. Pardon. Leïla, c'est maintenant à ton tour. Enlève-moi ça. Oui. En face de toi, oui, se trouve une créature très particulière. Non. Tu peux déjà la toucher. Non. Juste non, devant non. toi. Non, la fois. Touche ce qui est devant non, toi. Non, je vous en prie. Allez, touche. Non. Si, Leïla, touche. C'est où, c'est là? Non, je veux pas toucher! Si, Leïla. Oh merde, non! Je te jure, il y a un truc bizarre! Non, ne me faites pas ça, les gars! C'est quoi? Non, c'est un truc qui est poilu, je sais pas quoi! Tu dois identifier trois substances dont tu dois trouver le goût. Le goût? Faut que tu lèches? Non, mais ça va pas. Il est quelle heure, là? Mon Dieu, j'ai trop peur, attendez, c'est quoi, ça? C'est l'heure de la pub. C'est l'heure de la pub. Bon, alors, du coup, on se retrouve juste après la pub. Leïla, je te laisse. Non, moi, je rejoins le plateau. J'ai la clé. Je te fais un bisou. Ça va bien se passer. Non, mais y'a qui, quoi? Ici, c'est qui? Y'a rien. Non, j'ai peur, je te jure. Allez, chacun ça, à un moment donné. On se retrouve juste après la pub, restez avec nous. C'est la suite du débrief dans quelques instants. Non, les gars, je veux pas. On est de retour sur NT1 et on attend le retour surtout de Christophe qui a quand même lâchement abandonné notre Leïla. Franchement, on peut pas être fier. Hein. Bon, il est où Christophe? Christophe, on l'attend avec beaucoup d'impatience. Oh là là, bravo! Enfin, j'ai la clé. Bon, hé, Christophe. Bravo pour la clé, mais pas très cool pour Leïla. Comment vous êtes barré, mais en deux secondes. Ça y est, j'ai la clé. Ciao. Ben oui, c'est vrai. J'avoue, j'ai été extrêmement lâche. Oui. Mais j'avais la clé, elle avait qu'à trouver la clé, c'est quand même pas de ma faute. Oui, voilà. Bon, vous... c'était quoi, selon vous C'était dégueulasse. Ah ouais. C'était des yeux de porc, je bien pense. Sûr. Des trucs, des... Ah, vous n'êtes pas loin. Des non, trucs dégoûtants. Ouais, ouais. Non, mais ça sentait mauvais, je me suis lavé les mains. Bah ouais, vous voulez que je vous dise vraiment ce que c'était, vous êtes sûr? Vous voulez savoir? Ben dites-moi. C'était des marshmallows avec des cure-dents. Ah bon? Non, c'est vrai? Oui, je me jure. T'avais que ça? Non. En tout cas, vous avez un très joli cri. On a adoré tous les deux. J'ai crié un comme Mélanie l'année dernière, en fait. Oh, j'étais plus viril, quand même. Bon, allez, on se connecte tout de suite du côté du temps pour voir comment ça se passe pour Leïla. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Oui. Comment elle va, maman? Alors, Leïla. Leïla, tu es la dernière à pouvoir te libérer du temple de secret. Si tu ne réussis pas ton épreuve, tu restes enfermée dans le temple pour toute la soirée. Tu dois à présent identifier le goût de ces trois substances sur le visage de cette créature pour obtenir ton pass de sortie. C'est un truc bizarre, je vous garantis. C'est maintenant, Leïla. Non, je vous garantis, c'est pas... Elle est où, cette créature? Leïla, tu as 30 secondes, c'est parti. C'est quoi? Non, les gars, s'il vous plaît. Dieu! Ah! C'est quoi? C'est une tête morte ou normale, vivante? Je dois. C'est du sucre, c'est quoi? C'est du miel! Ah! Arrête de me lécher! Je te jure, arrête! Tu vas prendre une claque! Ah! Alors, Leïla, es-tu capable de dire quels sont les trois ingrédients? Je vais deviner, de la Nutella, du miel et du sirop d'agave, c'est ça? Le Nutella, le miel, c'est bon. Ok, du sirop.
Allez, la voix. Hélas, c'est perdu, Leïla. Te voilà enfermée dans le temple en compagnie de la petite fille et de ta musique préférée. Alors, ce qu'on vient de voir, c'est ce qui s'est passé il y a quelques instants pendant la pub. Alors du coup, Adrien, il a eu le temps de redescendre de sa cachette. Oui. Et Adrien, cette espèce de saligo, on va l'applaudir tout de suite, il arrive là. Ah, il en a encore sur la figure. Quelle horreur. La boule poilue, quoi, j'ai le droit de la pardonner, là. Excusez-moi, là, vous êtes encore tout gluant, mais est-ce que vous êtes prêt pour Mister Secret, quand même? Mais bien sûr, par tous les temps, vous Christophe. Vous êtes dégueulasse. Jingle Mister Secret, c'est dégoûtant. Allez, c'est le copain d'Emily qui me dit vas-y balance le dossier, On va l'avoir le dossier d'ici. Il y a le texto, il y a le fiancé d'Emily qui vous a envoyé un texto pour avoir le dossier. Il m'envoie des textos, il me dit vas-y s'il te plaît, dis des trucs. Non, parce que moi j'ai reçu encore des trucs en disant insiste pas surtout. Je lui ai dit de se taire. Non, je l'assure, là il se passe quelque chose. Hein. Bon, on reste avec nous. On va voir ça juste après. On commence avec le débrief du week-end des habitants. Un week-end absolument renversant. Hein. Ah oui, effectivement. Et après le prime de jeudi soir, l'esprit Halloween a continué de hanter la maison. Je viens juste ranger ça. À part ça, Sarah a commencé à prendre des cours d'anglais avec Thomas, mais il y a encore du boulot, hein. Tired. Non, toujours pas. Sinon, la voix a eu beaucoup de mal à prononcer le mot scrupuleusement. Je vais venir à l'écran de prendre une règle afin d'indiquer scrupuleusement. Bravo. Scrupuleusement. On va voir Leïla dans le temple. Bah écoutez, on va voir ce qui se passe. Je rappelle que Leïla est enfermée dans le temple parce qu'elle n'a pas réussi à retrouver tous les produits que vous aviez sur la figure. Donc elle n'a pas la clé pour sortir. Moi, je l'ai eu la clé, puis je vais pas lui donner. Hein. Alors on se connecte, on va voir ce qui se passe. Tais-toi. J'ai une petite question à poser au public. On est d'accord, vous voulez qu'elle reste dans le temple pour l'instant, hein? Oui. Très bien. Il y a une majorité de gens qui sont d'accord, donc c'est une bonne nouvelle. Adrien, vous avez autre chose pour Mister Secret? Oui, pour terminer ce court Mister Secret de ce week-end, on a vu Bastien et Julien faire des trucs très chelous dans le jardin, tellement chelous qu'on se serait cru, figurez-vous, dans un documentaire animalier, regardez. Ah bon? Tapis dans l'ombre, le Julien et le Bastien sont deux espèces qui se nourrissent essentiellement de feuillage, ce qui leur donne un teint particulièrement blanchâtre. Le Bastien sauvage se reproduit avec la Mélanie des bois. Quant au Julien, bah, il ne se reproduit pas. Alors, je sais que... Non, mais attendez. Je sais que les placards étaient vides à cause de la supérette, mais enfin, ils sont en train de... Ils ont passé le week-end à brouter, alors. Oui, c'est ça, sachant que... Il n'y a pas de choses à brouter dans le jardin. Non, mais il n'y a pas de myrtille, il n'y a pas de presse des bois, il n'y a pas de genre... Je broute une myrtille. Merci, Christophe. Bon, ça va, sinon le moral, tout ça, votre vie, on veut savoir ce que... Parce qu'on a beaucoup de questions, les gens veulent savoir... Tiens, Malak veut savoir si vous êtes en couple ou pas, ou si vous êtes célibataire. Toujours pas en couple. Toujours pas? Ah, bah écoute, ça va peut-être venir. Je cherche l'amour, Christophe. Vous cherchez toujours l'amour? Eh ben, on va laisser passer... Bah, il cherche, hein. Il trouve pas, mais il cherche, hein. C'est pas faute d'essayer. Julie, la note des internautes sur le Secret Live à la question est-ce que Bastien a bien fait de rester dans le sas? Eh bien, vous le voyez, c'est 2,9, donc c'est... Oui, mais bon, c'était pas un grand oui. Certains hein. pensent qu'il aurait peut-être dû sortir. Exactement. Pour terminer, on va se connecter une dernière fois avec le temple et Leïla, parce qu'elle reste enfermée, peut-être pour la soirée. Oh, vrai. Oh non, elle n'est pas vache quand même. Qu'est-ce que... Oh, oh quelle horreur. Oh non, mon Dieu. Je voudrais quand même saluer... Enfin, j'aimerais quand même qu'on salue... Vous savez, là...
La petite fille sadique qu'on vient de voir, eh bien, elle s'appelle Fiona, elle est stagiaire chez nous et elle fait le monstre depuis une semaine maintenant. Bisous Fiona. Et Leïla, on la libérera d'ici demain. Ciao. À demain. Bonne soirée. Merci Loïc. Merci à vous. Ici la voix. Attends les habitants. Ce soir, la voix vous emmène à la montagne. Tout chousse dans la raclette. Ouais, mais il n'y a pas chouché, j'ai les lèvres séchées. Bon appétit, c'est tout pour le moment. Tout chousse dans la raclette. Ah, mais il faut prendre les couvercles et les patates dites, c'est les hommes qui... Oh, bonsoir. Les patates dites. Oh, trop bien. Trop stylé. Oh là là. Oh, on a un truc de chauffage. Oh, c'est génial. C'est super. Bah oui. Attention. C'est Jean-Claude. Excuse-moi. Tu la dégaines ou pas? Ah, tu fais suivre. Génial. Mais tu sais quoi, les petits oiseaux, je les garde normal. Hein. J'aime bien moi. Tu vois, ça, vous n'êtes pas fait toucher. C'est eux qui sont passés celui-là. Il est trop beau. Ouais. De ouf. Merci. Même la chemise d'année, j'aime trop. Attends, et là, je vais passer de l'autre côté, ce sera plus simple. Par contre, on peut toujours faire. Tu veux poser où, Darko? Ah, j'ai faim. La tasse de Sarah. Ça va, hein? Là? Ah ouais, viande de grison et tout. La viande de grison, c'est du porc? Non, mais du grison. Le grison, c'est pas du porc. C'est quoi? C'est quoi? C'est genre. Je sais pas. Le grison, c'est vrai. Le bison. Ouais, non, en fait. C'est pas du porc que je serais en action. Ah, vous avez envie qu'on sente bien ce soir? Sérieux? On va se faire une petite conséquence ou vérité après. Hein? Il y en a qui vont se calocher avec cette bonne odeur. Conséquence, vas-y. Non, c'est action ou vérité. Ah, tu peux, pardon. Action ou vérité. Toutes les semaines. Avancez. Alors, du soir, on va parler de vérité. Ça va, il y a plus de personnes qui disent vérité que action ici. Ah non, bah alors là, non. Hein. Les autres, celui qui me dit trop vérité, je lui donne une action. Ouais, c'est bon. C'est pas marrant. Ouais, peut-être c'est chiant quand même que du coup. Fanny, elle s'est sortie, quoi. Au final, tu pars. Dommage, c'était pas entre moi et elle. Hein? C'était pas entre moi et elle. Hein? Vous auriez dû la mettre dans un hôtel. Une vraie folie. Ouais, grave. Elle serait revenue. Non, mais c'est vrai, c'est dommage, ça prend la place de quelqu'un. Et bah si. On va dire qu'on revient dans 5 minutes. Hein? Si jamais on me cherche, on arrive dans 5 minutes. Quoi? Bah, je pense qu'ils verront où vous êtes. Déjeme tout, déjeme, c'est Lilola. Parce que je crois qu'il veut faire un action ou je sais pas quoi. Ah putain, je me sens pas l'action vérité. Hein? Je me sens pas faire une action vérité. Pourquoi? Parce que j'aime pas les actions et les vérités. De toute façon, tu fais aucune action, on va pas se mentir. Bon, je voulais te dire un truc très important. D'accord. Tu vois, avec la mission de... Et toi? Bah, que j'ai eu avec Coralie, bah, je me suis rendu compte que j'étais important pour toi. Et ça, vraiment, c'était ce que j'avais besoin de savoir, tu vois. Mais maintenant, je me suis aussi rendu compte, et sincèrement, je te le dis, bah, que je me sentais aussi mieux quand on était un peu éloignés, tu vois. Et que je me posais moins de questions, tu vois ce que je veux dire. C'est difficile de devenir au stade vraiment ami, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que on n'est pas prêt à être vraiment à ce stade-là, tu vois, à fond, ami. Et en tout cas, moi, je ne le suis pas, tu vois. Donc, je préfère si on est en mode, comment dire, si on entretient une ambiance cordiale, tu vois. Genre, oui, normal. Voilà, tu vois, genre
on s'apprécie, mais on s'oblige pas vraiment à, tu vois, à essayer d'être amis, parce que même si on veut être proche, on sait que pour l'instant on peut pas vraiment sans ambiguïté, tu vois. Et même si ça fait chier, bah je pense que ça, c'est mieux pour nous deux, tu vois. C'est, ça nous évite de nous poser des questions, et puis et comme ça on se sent mieux. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Si tu t'éloignes et que tu t'éloignes après, ben tu vois, tu vas plus me parler, plus du tout. Mais non, je vais te parler. Mais non, c'est juste, ouais, je pense que c'est mieux. Et je te le dis, je t'en fais la promesse, je serai toujours là pour toi quand on a besoin. D'accord. C'est juste, je vais pas être trop là. Non, ça va. D'accord. Ouais. Bon, allez, donc on évite de se poser trop de questions. Tout va bien dans le meilleur des mondes, d'accord? Ouais. Oui. Oui, 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 oui. FGS. Para-jumper. Allez, tu viens après jouer? Moi je prends la doudoune. Ah ouais, vas-y. Oh là là, trop. Jouer dehors? Oui, dedans. Ah ouais, on peut jouer dedans, on en est dehors. Ça change. Dans notre relation, on n'est pas fait pour être toujours d'accord. Et c'est ce qui fait un petit peu notre charme, sinon on s'entendrait pas si bien que ça. C'est clair. Sarah, action vérité. 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 Que ressens-tu vraiment? On l'a déjà fait la semaine dernière. Ah. Mais ça peut changer d'une semaine. Ah oui, alors. C'était le premier jour. Voilà, dis-nous maintenant ce que tu ressens. Entre-temps, pour Vincent. T'as payé 12 000 balles pour jouer. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bah que je suis contente qu'il soit là. Vraiment, ça me fait du bien. Il sait très bien ce qu'il en est entre nous. Et puis tout le monde l'a bien compris. Hein. Voilà, on se cherche un peu. On ne s'est jamais encore trouvé. Ça fait 4 ans qu'on se cherche, qu'à chaque fois qu'on se voit, bah, on s'attire. Et c'est comme ça. Comme des amis. C'est le seul ex qui ne me dégoûte pas et qui ne me dégoûtera jamais. D'avoir une relation, vraiment une vraie relation. Bien sûr. Mais tout dépend de lui, de s'il est sérieux, s'il a... Voilà, genre... Mais il a plein de trucs à changer. Et, voilà. Il le sait. D'accord. Comme j'ai plein de trucs à changer aussi. Là, comme tout le monde. Hein, voilà, on n'est pas parfait. D'un point de vue, la tangente est si... Mais qu'est-ce que tu penses que tu veux? Qu'est-ce que tu penses que tu veux changer? Je dis vérité alors. Vas-y, vérité. Qu'est-ce que Sarah aurait à changer? Voilà, qu'est-ce qui fait que ça ne l'a pas fait? Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui fait qu'entre vous, ça fait 4-5 ans que vous connaissez, qu'est-ce qui fait que ça ne l'a pas fait à chaque fois que vous êtes vu, que ça n'a pas continué? Je pense que le premier truc, c'est que c'est un peu moi qui a fait que ça n'a pas marché, pour dire la vérité. J'ai beaucoup fui mes responsabilités, on va dire ça comme ça. De deux, après, elle a un côté un peu trop comme moi, qui est de, elle aime plaire, elle aime être sexy. Mais c'est vrai que j'aimerais juste que... Bah parfois, elle aime un peu moins la fête et elle aime un peu moins les gens et qu'elle soit un petit peu plus discrète. Mais après, c'est un côté aussi que j'aime d'elle, le fait qu'elle soit sociable et qu'elle aime la fête. C'est la balance. Il y a des choses que j'aime. Des fois, ça me plaît, des fois, ça me plaît pas. Mais c'est comme ça. Si elle est un petit peu plus... Sage, j'aimerais bien, ouais. Même si elle est sage. Je suis sage, au fond. Mais des jupes plus longues. Bon, bah voilà, j'aimerais qu'elle mette un petit peu plus de tissu. Ouais. C'est une histoire de tissu. C'est une histoire de tissu. Voilà. Vincent, action ou action? Action. Ok, vas-y, action. Ah. Fais pas un truc doux, Panaï, je peux refuser. T'as pas le droit d'en finir. J'ai un alliance. Comme avec un maïs. Et pas de plus, j'ai un peu de bruit parce que je sens que. Ouais, j'ai un peu de bruit. J'aime bien les gens qui l'embrassent.
ça. Ou le menton, ou le front de Anaïs, ou, okay. Tu vois, un truc... Pour rendre un peu plus marronnier. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Suis-moi dans ma pastorie. Il doit être obligé de dire 10 qualités physiques. Ouais, vas-y, vas-y. Ah oui, tout ça quand même, c'est un plan élaboré, quoi. Non. Dans l'action, alors on aimerait que tu fasses une véritable déclaration à Anaïs. À moi, ouais. Et que tu cites au moins 10 qualités physiques. Quelle Anaïs ? Quoi ? Elle. Anaïs, celle-là. Ouais, bah ouais. Mais à genoux, hein. À genoux. Une belle déclaration. Ouais. Allez, je me mets debout et tout, vas-y. Ah, ça me coûte. Ça me coûte de ouf. T'as le mettre l'oreiller ici. Allez, prouve-nous quand j'ai un séducteur hors pair. Mais non, je veux pas la séduire, c'est une déclaration, ça n'a rien à voir. Oui, ah, c'est bon, je vais pas sur attends, les dis qualité, ça fait beaucoup, t'es gentil et tout. Allez, mais... physique, c'est pas le style. Anaïs, quand je t'ai vue, tu étais aussi belle qu'un réglisse. C'est un compliment, ça. Oui, déjà. C'est bon, réglisse. C'est noir, oui. C'est bon. C'est noir, oui, c'est bon, et c'est sucré. Ah. Tu es aussi sucré qu'un réglisse. Anaïs. Anaïs. Ta peau est aussi lisse que d'une fleur de lys. Ça fait un. Anaïs. Non, deux déjà. Allez, je vais la faire en mode sérieux. Ouais. Bon, Anaïs, t'es une très belle personne, à l'intérieur comme à l'extérieur. Encore plus à l'intérieur, à mes yeux. T'as des très très beaux yeux. T'as des très très beaux cheveux longs et lisses. Telle réponse. Tu as de très belles jambes. J'allais dire les pieds, mais non. Tu as une très très belle poitrine. Tu as une jolie nuque. C'est bien une nuque. Ça se prend. C'est bon. Tu as de très beaux doigts. Voilà, tu as des doigts magnifiques. Tu as un joli nez en trompette. Vas-y, un dernier. Aidez-moi un dernier. Un beau sourire. Ouais. Non, je dis quand même la vérité. C'est fait. Et tu as un très joli ventre tout plat. Voilà. Bravo. Oh. Vas-y, Anaïs. Action ou vérité? Continue. Vas-y, dis-moi ce que tu veux. Bah, action. Hein? Action, action. Pas trop. Ok, fais la poule du hamac jusqu'au sas. Oh putain! Et avec le bruit et tout, hein! Vous savez quoi? C'est quoi-côte? La cocotte en marseillais. Merci. Et accroupie, hein! Alors, elle ne sait plus si je lève la jambe ou si je ne lève pas la jambe. Accroupie! Mais déjà, tu vas t'accroupir. Une poule, elle n'est pas accroupie déjà, Anaïs. Waouh! Allez, Anaïs! Mais une poule, c'est pas accroupie non plus! Désolée, c'est quoi? Cote! Jusqu'au sas, allez! Cote! On n'entend rien. On n'entend rien. Cote. Bien joué, ma poule. C'est un truc qui est arrivé. Attends, j'ai vu. Moi, j'ai dit ça un jour, vraiment. Ouais, mais le temps que... Attends. À qui? Mais viens. Non, je peux plus, hein. C'est vrai? Ouais, rien que de l'avoir vous parler, vénère. Non, elle vous a expliqué ce que vous a dit. Elle n'est pas énervée contre toi, j'ai demandé. Bien, elle était vénère. Non, après, tu as vu, elle s'est assise, elle t'a fait un petit sourire et tout. Elle te fait pas la gueule, elle est juste dégoûtée que tu partes. Ouais, j'en comprends là. Ouais, je la comprends, mais je comprends pas qu'elle réagisse comme ça. Je comprends pas qu'elle réagisse comme ça. Je trouve que ces deux semaines, c'est un jeu. Elle m'a dit des trucs. Parce qu'elle veut te faire un électrochoc, c'est normal, comprends-la, ça lui fait de la peine que tu partes. C'est trop dur, ça s'en fait pas comme ça. Là, j'ai dit, je vais chercher, elle m'a fait. Franchement, j'aimerais bien passer cette soirée avec vous et tout, mais je suis trop mal, genre, je suis vraiment trop mal. Bon, je respecte ton choix, mais si tu veux venir, d'accord? Ouais, ça va. Allez, s'il te plaît, arrête de t'être triste. S'il te plaît, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Non, allez, s'il te plaît. S'il te plaît. J'en peux plus, là, je suis à bout. Mais pourquoi? Tu veux pas me faire un câlin?
Hein ? Écoute, je t'ai tout expliqué tout à l'heure. Oui, bah je respecterai ton choix, peu importe ce qu'il est. Bien que je cautionne pas ton choix, que je sois pas d'accord, parce que j'ai pas envie que tu partes et j'ai pas envie que tu fasses. T'es contente de mes réponses ? Oui, ça m'a fait grand plaisir. Vraiment. C'est vrai ? Quoi ? Rien. T'auras pas de bisous, arrête, je te connais. T'es grave. Ah, voilà. Vas-y, je te suis, je fais la courée. On le suit. Non, mais moi je sais pas. Hein. Fais-toi. Bah, oui, mais on te suit. Non, fais-toi. Moi, non, pas. C'est ta chanson. Je sais pas, ouais. Je sais pas. Moi j'ai pas demandé ça, j'ai demandé Beyoncé. Allez, on te suit. Non, mais moi. On te suit. Non, mais fais-le, parce que sur celle-là, je te jure, j'ai non, pas mais c'est bien le rythme. Ouf. Fais-le toi, wesh! C'est facile, regarde. Mets tes pieds comme ça. Celui-là sur le talon. Ouais. D'accord? Celui-là sur la pointe. Non, tu vois? Voilà, tu fermes. Tu fermes. Tu fais pareil de l'autre côté. Okay. Talon. Toujours le pied extérieur sur le talon. Et le pied. Non, voilà. Ah mais les danseuses non, attends, non, attends. Moi j'arrive pas. C'est facile, en fait, il faut prendre le truc. Alors, non. En fait, tac. Non, voilà, tu toques le pied extérieur, ah oui. Toujours sur le talon en fait. Est-ce que t'es comme moi là? Mais attends. Tac. Voilà, ferme, okay. Ferme maintenant. Remets tes deux pieds comme ça. Pareil là. Non, regarde, tu vas comme moi. Tu l'as côté. Vas-y, attends. Je lui dis là et il me regarde. Vas-y. Mais non, toi, tu fais la danse des canards. Ouais. Ouais. Ferme. Allez. Non. Mais c'est trop dur, ton truc. Là. C'est qui qui t'a appris ça? Ah, yes. Faut être dans l'eau, là. C'était mon pack, j'ai... Faut être dans l'eau. Attends, tu Anaïs. Voilà, c'est compliqué. Avec le balai, la chemise, j'adore. La femme de ménage, c'est Conchita. Ah, but you had a my life. I'm so busy. Got it when the kids are fine. She's done my turn. I know what it comes with. That's a dinner vision. I know what it comes with. I'm running kind of feeling. I know what it's losing now. The fun I won't stop. I know what it comes with. Without you, but I'm chilling. Without you, so I'm a survivor. I'm on the giver. I'm a survivor. I'm on the border. I'm a survivor. I'm gonna make it. I'm a survivor. He won't survive. I'm a survivor. He found to give. I'm a survivor. I'm on the border. I'm a survivor. I'm on the make it. I'm a survivor. He won't survive. I'm a survivor, I'm gonna give it. I'm a survivor, I'm gonna cut it. I'm a survivor, I'm a survivor, if I'm survivor. I'm a survivor, I'm a survivor.
Il y avait des bateaux, les déconnés, tu vois. C'est la fin de la chanson. I will survive being bootylicious. Et là, on met à bootylicious. Viens, on va manger des claps. Je vous ramène de bol. Dans la saison. Tu veux une crêpe, Sarah? Tu veux que je te la fasse? Oui. Tiens. T'as vraiment cru? Mais t'es sérieux? Je rigole. C'est où l'eau? Ouais. Ouais. Moi aussi, je pense. Merci, Thomas. Yeah, yeah. Oh, nana. Cuisine d'amis. La famille ou... Brick better have my money. Un avion? Bitch. Beach better have my money. Read bitch, bon, me dare. Tu tiens un spiel. Je suis pas en boîte, on entend rien. Trop chaud là. Beach better have my money. Mais tu sais, ça arrête les paroles quoi. Don't act like you forgot. I got the chat, chat, chat. C'est ce que ça veut dire, moi. Tu sais, on est tous comme ça. Grand. Mon argent, il est grave mieux. Mon argent est grave mieux. Beach better have my money. Better, voilà. C'est le mieux. Vous étiez assis tous les deux. Mais c'est ça, c'est ça. Have, c'est faire. C'est sans ça. C'est un peu mieux que tu me rendes mon argent. On n'a pas mis des partagons, arrête. Bah, j'y étais presque. Non. On a entendu tant que tu avais pris des partagons. Ouais. Wireless. Wireless. Pas trop, je pense encore aux gens, tout ça. Il a dit. Anaïs. Ah ouais. J'allais dormir. C'est bon, je la mets pas. Bon, good night. Merci pour le pas dedans. Thomas. À demain. À demain. Yes. À demain. Bonne nuit. À demain. T'as pas pris ta brosse à ta brosse? Ouais, tu l'as fait. Tu as vu? J'en ai d'autres. Hein. Ils s'entraînent depuis tout à l'heure. Chouchou. Ouais. On a passé une bonne soirée. C'était une bonne soirée, je trouve. Hein. Ouais, grave. Non, grave, rigoler. Merci, j'en prie. Merci. À chaque fois, je... Ah. Ah. Vincent, il faut absolument qu'on... Il faut absolument qu'on fasse un truc pour le secret de... De Sarah, ouais. De Sarah. Il faudrait qu'on parle, tu vois, et que, tu sais, on parle et que... Parce je sais moi, pas... Faut que je vais l'aider, tu vois, sauf qu'il faut pas que je me fasse griller. Oui, alors, il faut pas qu'il ait des doutes. En fait, ils ont des doutes, pardon, que je... C'est qu'un jour, on parle... Donc, il faudrait que ça soit toi et moi, déjà, parce que si c'est Anaïs... Il faudrait qu'on parle comme si on croyait que... On nous était seuls dans la pièce. Voilà, tu vois, c'est ça. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Mais quoi ouais, dire dit, ouais. Mais quoi dire, tu vois, c'est ça. Du style, putain, ça va trop bien, continue à mal chanter. Ouais. Il croyait tout ce que tu chantes super mal. Ouais. On l'a fait vite, mais je sais pas si Darko l'a entendu. Déjà, Darko, je pense qu'il commence à hésiter. Voilà. Parce que Julien, lui, il est sur la piste de la chanteuse. Voilà. C'est juste qu'il faut qu'il pense qu'elle fait exprès de mal chanter. Ok, ouais. Tu vois ce que je veux te dire. C'est vrai. Tu vois, du style, genre, vous parlez tous les deux dans la salle de bain, par exemple. Je dis, vas-y, chante-moi notre chanson, là, tu chantes trop bien, tu sais, un truc comme ça. Tu vois ce que je veux te dire? Ou tu sais, c'est bien, putain, continue à la chanter, tu me fais trop rire, parce que moi, je sais que tu chantes bien. Ouais, voilà. Ok, très bien. En tout cas, c'était une belle petite soirée, hein. Moi qui étais fatigué les deux jours, franchement, merci. C'était rigolo, le conséquence vérité. Action, vérité. Ça n'a pas duré très longtemps, par contre, je pensais qu'on allait durer plus longtemps. Ouais, mais franchement, je trouve ça. Ouais, mais ça suffit, parce que c'est bien. Ça suffit derrière, la musique, tout ça, vous avez chanté, vous avez dansé, tout ça. Ouais, on a fait des belles chorés. Ouais. Maria. Maria. Un verre, c'est a glass. A glass. A glass of milk. I would like a glass of milk. Yeah? I would like, je veux. Je voudrais. Ah ouais, ils sont dégueux. Un verre de lait. De lait. I would like a glass of milk. Yeah. I would like a pizza. I would like, c'est je voudrais. I would like sleeping because I'm tired. C'est bien ça, non? I would like to sleep.
I would like to sleep because I'm tired. Because I'm tired. I would like to sleep because I'm tired. 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 Ça s'écrit. T-I-R-E-D. T-I-R-E-D. Mais on dit pas tired, on dit tired. 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 Mais je peux dire pas. Tired. 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 Yeah. Voilà. Tired. Oh. Tired. Tired. I would like to sleep because I'm tired. 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 J'adore quelle parole. Tired. 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 Pyred. Pyred. Tired. Tired. T'as quand même dit pyred. Tired. Tired. On dirait que t'entends pas ce qu'il dit. Mais j'ai exactement la même chose. Pas prononce le L. Tired. Ah, tired. Ah, tired. Tired. Yeah. I would like to sleep because I'm tired. 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 Because I'm tired. And I search my pyjama. I search my pyjama. I'm looking for... Comment tu veux dire quoi? Je vais aller chercher mon pyjama. Yeah. I'm going to get my... I'm going to get my pyjama. Yeah. And I'm tired. Yeah. Tired. Oh, the English is very difficult. Yes. It's a very difficult language. Yes. Language? Mm-hmm. Toi, t'es mateur. J'ai dormi maquillée, j'ai fait un petit moment. Oreiller, s'il te plaît. Trace dans la bouche. Oh. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit. Ah, ils vont éteindre. Ouais, 5, peu... clic. 4, 3, 2, 1. Bonne nuit. Ok. Merci pour le vent, c'était sympa. Je suis tombée malade à cause de vous. Oh. J'ai attrapé plus que la grippe. J'ai attrapé la grippe aviaire. Merci. Oh, thank you. Merci. Leur première visite de l'emblématique supérette, les équipes ont dû échanger leurs courses. Les garçons se sont retrouvés avec les denrées des filles, qui ne sont pas vraiment à leur goût. Hey, t'es mal notre frigo, quoi. On a un truc de maudin. C'est l'horreur, c'est un fake. C'est une arnaque. Voilà. Hey, vous voulez pas échanger ça, là? On échange rien du tout. Ça, c'est lourd, prenez ça. Non. Putain, on leur a fait des courses de malade. Ils ont dû grouiller râper pour deux semaines, là. En tout cas, Darko, permets-moi de te dire merci. Mais tu vois, moi, quand ça parle de vous, ça me fait pas rire pour le coup. Tu vois. Franchement, il y a des sujets, il faut pas trop me chercher là-dessus. La nourriture, c'est vraiment toute ma vie. Je fais que de manger, je mange 8 fois par jour. Et quand j'ai pas ce que je veux, je suis pas bien. Donc Mélanie, il faut qu'elle arrête de me provoquer parce que là, ça va vraiment me gonfler. Ouais. Je suis heureuse de pas être comme toi. Vraiment. C'est une chose que je suis heureuse dans ma vie. Tu savais comme tu es bien pire. J'ai aucune sympathie pour les gens comme toi, je te le dis comme je pense. Bah, c'est bien comme ça, on est deux. Je vais être identique au moins sur un point. Darko est complètement grave avec la bouffe. Il va vraiment falloir qu'il se détende. Franchement, je sais pas comment ça va se passer pour lui, mais ça va être très compliqué. Viens, on va braquer l'épicerie. Bien, je rigole pas. Mets une veste, on va braquer l'épicerie. Et mets un truc sur toi. Regarde. C'est mais tu vois bien rien, c'est ça.
parti, j'y vais. On abandonne. On vient de là. Courons avant que la police nous rattrape. Vite, on court. Vite, la police arrive. Mission échouée. Franchement, on n'est pas au top du cambriolage à la perfection. Mais j'ai trop faim, je m'avoue pas vaincu. Tu vas mettre de l'ail dans la soupe? Non, je vais faire des oignons à côté, là. Oh là là, mais des oignons, tout ça, ça nourrit? Ça nourrit que dalle. Mais t'inquiète pas, on va se nourrir, là. Ah, tu vas faire l'opération? Évidemment. Évidemment. Est-ce que j'ai bien compris, Darko, que t'étais en train de dire que t'allais plus tard les courses des filles? Est-ce que c'est ce que je viens de comprendre? Je viens de dire que je prévois de faire un petit festin, là. Pâte de poulet, réussi. Je kiffe mes pâtes, je kiffe mon poulet, je kiffe ce que je mange. Bon, je vais voler. Je suis pas fier, mais j'avais faim. Voilà, j'avais faim. Un proverbe connu dit que la nécessité fait loi. Et dans la maison, certains sont prêts à enfreindre quelques règles afin de pouvoir se coucher le ventre plein.